Dans le Voilà, logiciel. c'est parti. Ok. Donc, vous étiez arrivé à ce qui ressemblait à une sorte de clocher, une ruine, plus grand-chose. J'ai oublié de dire bienvenue dans cette deuxième partie. Oh, Oh. j'ai fait le signe de passe-partout quand t'as deux clés, mais c'est Passe-partout. La statue, Ah elle est ouais. C'est quoi cette forme? Y a pas de statue. Regarde, hop. De Est-ce qu'il n'est quoi? pas une statue? Où ça, la statue? À droite. À droite du trou. Ah oui. Ceci n'est pas une statue. On dirait une chouette. Oh. C'est C'est une Brightall, je chouette. reconnais. Je reconnais, c'est Brightall. Donc, vous êtes face à ce trou. On rappelle, on vous a dit qu'il y avait une forte concentration d'ombre à l'intérieur. Et Black Bloom le confirme. Et qu'elle entendait des murmures. Qu'elle en a toujours entendu, mais là, elle les entend un peu plus fort, mais ne les comprend pas. Et Lily a jeté un caillou pour savoir à quel point c'était profond et il avait C'était Black Bloom entendu. qui avait fait ça, non? Enfin, je sais plus. Je crois que c'était C'est Lily Lily. qui avait jeté un caillou. C'était Lily. Lily qui a jeté un caillou et on a attendu un peu de temps avant que ça fasse plouf. Comment on va descendre là-dedans du coup? On a des cordes. On saute. Sinon, on envoie une énorme explosion et puis voilà. De la dynamite. Enfin. Nous avons deux dégâts. Deux dégâts. Une explosion? Comment vous voulez faire ça sans voir ça? On a des armes à feu, on n'a pas de la dynamite. On n'a pas pensé à prendre de dynamite. Et merde. De la dynamite. C'est un bâton, tu le lances et ça fait boum! Je peux faire une explosion, mais je pense pas que ce soit très pratique dans notre cas actuel. Et puis en plus, c'est pas sûr, c'est pas dit que le sol, c'est que on voit tout seul sous le pied à cause de ça. Il faudrait quand même d'abord effectuer des recherches. Parce que si on ne fait qu'enfermer la source d'ombre, elle pourrait ressurgir n'importe quand. C'est ça, il faudrait l'éradiquer. D'accord. Il va falloir que quelqu'un descende en bas. Bon, je vais y aller. Mais pas toute seule. T'auras qu'à descendre avec King Gossip. Et on peut utiliser la corde pour faire descendre aussi ces deux-là. Black, t'auras qu'à les accompagner. Puis, vous avez vu à quel point c'est sombre à l'intérieur? On a des lanternes. Tu n'auras qu'à t'accrocher à moi, à Fizel. Comme ça, tu pourras voir ce qui se passe pendant que je me concentre sur la corde. Au pire, on peut avoir un ou deux Pégases qui aident à descendre. Ouais, on peut aussi faire comme ça. Black dira, je peux très bien descendre la petite, je devrais pouvoir la porter sans problème. Vous deux, vous sentez de porter le gros? Enfin, Eh pardon, oh! Silver. Et dites donc, je suis pas gros. Ouais, on devrait réussir à porter le gros. Le chonk. Je plaisante, c'est Je bon. suis pas gros. Le chonk boy. Elle le dit avec un petit sourire, hein. Mais pas un sourire moqueur, hein. Non, mais il a compris. Hein. Il fait, je ne suis pas gros. Il en rajoute un peu. Juste enveloppé. J'ai une ceinture lourde. Il serait plutôt musclé que gros, de toute façon. Ah, quand même. Une belle bête. Je suis mariée, madame. Oui, bah, je sais bien. T'as Hein. pas pu te rendre dedans. Ce n'était pas des avances. Ah! Si on y allait. Mais c'est Allez, encore allez, tout allons. noir, ça me Ah ouais, saoule. super, c'est juste parce que j'ai mis sur une autre map les
éclairage que c'est noir. Ta gueule. Voilà, pardon. Et oui, je voulais quand même revenir sur juste sur la partie 1, entre guillemets. Parce que on n'a pas forcément très bien réagi, Goldou et moi. Parce qu'on n'avait pas tout compris, voilà. Tu veux bien expliquer, me jeu, ce que t'as dit ? Alors, je vais écrire ce que j'ai marqué. Enfin, je vais dire ce que j'ai écrit. Ce que Black Bloom vous a expliqué, c'est que l'empereur a toujours tout fait pour le peuple. Il n'a jamais vraiment voulu faire ce pour quoi il a été créé. Et il voulait donner au monde la possibilité de vivre en paix le plus longtemps possible. Si bien qu'il s'est donné la mort en refusant d'utiliser à nouveau sa magie du chaos. Avant de mourir, il a confié à Black Bloom la direction martiale du pays et lui a demandé de laisser les princesses diriger le monde. Il lui a expliqué que même si elle prêche l'harmonie, elle prêche virgule l'harmonie, mais qu'est-ce qu'elle fout là, c'est virgule. Même si elle prêche l'harmonie, elles ne pourront pas le faire revenir et l'équilibre perdurera encore longtemps. Mais il lui aura précisé aussi que les princesses ont la possibilité, avec toutes leurs capacités et leur vécu, de faire perdurer l'harmonie et chasser le chaos. Le chaos reviendra forcément, mais les princesses sauront gérer les futures crises à venir. Il aura expliqué aussi qu'il a tout fait pour prendre le trône, justement car à l'époque, il n'était pas capable de maintenir l'équilibre. Mais pour qu'elle puisse gérer les futures crises, il faut absolument que la mission de l'élite soit un succès, donc chasser les ombres. Quoi qu'il en coûte, il faut détruire l'origine des ombres. Cela ne les détruira pas toutes, mais elles seront bien plus affaiblies et disparaîtront progressivement. Voilà. Juste les ombres, je pense. C'est juste les ombres. Dommage collatéral, oups. Bien. Vous êtes prêts à amorcer la descente ? On vous laisse une corde quand même au cas où. Ok. Ouais, on y va. Au cas où il arrivera malheureux au Pégase en bas et que les non-volants veuillent remonter. Je vous signe à toute vitesse. Comment ça, malheur ? Bonne chance. On peut se débrouiller. Je ne suis pas mal, je pourrais. D'ailleurs, je vais peut-être vous. Faudra peut-être vous mettre une lanterne. Oui. Voyez-vous mon ping là ? Enfin, ma flèche ? Attends. Là, voilà, parfait. De toute façon, vous voyez vos persos. Moi, je vois rien là. Oui, je voyais mon perso. C'est bon. Tu vois ? Oui. Ok. Ouais, on est arrivé dans de l'eau en plus. Oui. Assez profonde pour le coup. On va pas se poser dans l'eau. Non, vous êtes juste au-dessus. Vous balancez Silver dans l'eau. Juste droite ou gauche. Vous pensez qu'on a pied ? Je sais pas. Tout droit. Bon. Ah. Non mais. Non. Ah oui, d'accord. Juste vous pose droite ou gauche. Bah, gauche. Ouais, le tapis. Ok. Mais t'as pas pris ma lanterne. Oups, j'ai fait un trait, pardon. Attends, on va voir ça. Elle plonge vite fait dans l'eau. J'ai pas pied déjà. Mais attends, parce que nous on porte Silver, non ? Oui. Mais pas elle. Vous me posez là et puis. Ça va rester profond. Oui, mais on sait pas si on a pied. On a pas pied. Ok, on va pas le poser alors. Oh, ça pue la créature tentaculaire ombre, ça. Le calamar des ombres, tu le sens bien ? Il y a mes coups d'assaille. Du coup, là, dans les tunnels, on peut se être posé. Oui, là, oui. Ah, là, oui. Ok, je pose Silver, alors. Là, on a pied, là ? Là, il n'y a pas d'eau. Ah, on dirait. Mais en fait, la carte est toute floue ou c'est moi ? Non, il y a un peu de flou. Parce que moi, je vois des gros carrés pixelisés, en fait.
Pareil. C'est possible qu'elle charge. Ok, ok, elle charge. Ouais. J'ai pas de lanterne par contre. Cela dit, tu les vois comment tes pixels? Parce que c'est vrai qu'elle est pas très. Bah, c'est vraiment des carrés quoi. Attends, je vais voir. Ouais, mais là, ça fait vraiment des gros carrés. C'est très gros carrés. Tu vois? Ah. Ouais, ouais là, c'est vrai qu'elle a pas l'air d'avoir changé. Ouais, non, c'est sur le tien, c'est mieux. Ouais. Merde, j'aurais pas dû regarder. J'ai rien vu! C'est pas grave, y'a rien à voir. Tant mieux. Un monstre Cthulhu géant. Oh là là, en fait, le boss final, c'est Ruru Ombre. Yes. J'avais pensé à dire Simulator. Avec son emote qui gueule que j'avais dessiné, là. Le boss final, c'est le futur vous. Oh mon dieu. Bah du coup, on va par où? Bah, je sais pas, en bas? Tout droit pour commencer, peut-être? On va commencer... Je vous propose que... On va faire un truc pour éviter de se perdre. On va aller toujours tout droit jusqu'à avoir un mur. Et quand il y aura un mur, on retournera sur nos pas. Okay. On prendra une autre direction, suivra cette direction jusqu'à se reprendre un mur, etc. Là, je pensais, tailler... Enfin, faire une marque sur les murs d'une flèche qui indique la sortie. Bon, on a peut-être pris une carte, sinon, pour dessiner, non? Ouais. Bah, du coup... Alors, j'ouvre une carte. Bah, je fais ça... Je sors mon épée aussi, au cas où. Ma belle épée! Pardon, excusez-moi. Moi, je viens de lui penser, mais en réalité, je suis... muette, mais complet là, parce que du coup je tiens Silver et je bats des ailes, donc je peux mais pas... Mais non, on l'a posé. Ah oui, ça va, ici, ça va. Je ne suis plus muet. Enfin si, mais... Flap, 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 flap. Non, j'ai peint un crayon. Moi, je suis en train de dessiner une map sur Paint. Moi, j'imagine très bien le perso de Golden quand il veut parler. Flap, 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 flap. Ouais, c'est ça, c'est ça que j'imaginais. Pas discret du tout. Tu fais la map, Golden? Je suis en train de faire. Ok, comme je peux. Dans ce cas-là, je te laisse faire la map. Même si on dit que c'est Fizzle. Ah, c'est quand elle est énervée. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai cherché un gif de Naruto. C'est ça. Au secours. Yes. C'est un peu ça. Bon. Et si on avançait? Mais allez, je passe devant. Pardon. On passe par là du coup. Ouais. Tout droit, ouais. Ah. Restez sur vos gardes. Merde. On commence déjà par un cul-de-sac. On dirait. Mais vraiment cul-de-sac? Ouais. Pendant que je note la... Ouais, ça a l'air d'être une grande pièce, ouais. Ouais, c'est une grande pièce, effectivement. Et il y a un autre mur là-bas? Ici, oui. Ouais, il y a un mur. Par contre, pourquoi pareil au sud. Je regarde au plafond, Ruru. Non, c'est un plafond. Au cas où il n'y ait pas des grosses araignées géantes, tu vois. Ah oui. Ah, dans une autre vie, j'ai vécu ça. Je me rappelle d'une araignée au plafond qui m'a attaqué quand j'étais bon. Et ben puisque là c'est une place cul-sec, on a qu'à aller voir ce qu'il y avait dans le petit couloir là-bas. Oui. Et je vais marquer une croix sur ce ici. Le Golden qui va dans toutes les directions. Oui, parce que je dessine la carte. Bon, eh ben j'avance. Hein. Ah. Je note une croix. Tu m'autoriserais à marquer sur la carte? Oui. Ok, ça continue plus loin. Ça fait un coude.
restés bien tous en vue. Ah, j'aime pas les longs couloirs. Moi non plus. Encore, je vois jusqu'au bout. In. Et alors, il y a un mur ? Oui, je dessine. Ça a l'air de tourner après. Ouais, mais reste avec nous. On sait jamais. Reste avec qui, je précise qu'à chaque fois, je regarde au plafond. Hein. Oui, oui. Au cas où. Il y a un token spectateur qui nous suit. Ah. Écrasez-le ! Attendez. Le spectateur retourne le truc sur le dos, tu sais. Alors, par contre, Silver, il fait attention, il avance pas trop vite. Il fait attention à ce que vous soyez tous à portée derrière. Mm-hmm. Vous soyez pas trop loin et tout. Ouais, elle cherche pas la map. On dirait. Non. Non, ça doit être la résolution max. C'est aussi la résolution parce que. Ouais, donc quand je zoome à fond, c'est vraiment pixel. Donc ouais. Là, c'est pas compliqué la map, c'est tout droit. C'est quand même un très grand couloir. Si je me trompe pas, là où on est, techniquement, attends, vers le haut, c'était de là où on venait plus ou moins. Ça y est, l'entrée là. Ouais. Donc, si on avait commencé tout droit, enfin c'est tout droit, si on avait descendu de l'entrée, on serait arrivé sur un cul-de-sac aussi normalement. Je crois. Ouais, Silver il attend que vous rattrapiez. Tout droit. C'est ça d'avoir des grandes enjambées. Qui font ce poche. Tout droit. On a pas reculé en arrière. Non. Je vous attends. Et maintenant ils se font plus intenses. T'es sûr que c'est une bonne idée que tu viennes? Ça va pas te contrôler ou te faire du mal? Je sais pas. On aurait pas pu faire descendre d'autres pays. En plus. Ok. Attention, il y a un coup de. Silver, il regarde. L'escalier. Il regarde un peu partout, hein, il est en alerte. Hein. Il fait attention autour, au-dessus. Ça s'élargit, on dirait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Elle est toute plate. Écrase, elle s'est pris un tronc. Oh là là. Voilà. Cette pièce. Il y a un truc au fond. Reste là, j'y vais. Il faut pas qu'on se sépare. Non mais. Couvrez-moi quoi. Pas trop compris ce que ça veut dire couvrez-moi. Hein. Ça veut pas dire venez avec moi. C'est couvrir à distance. Un soldat. Fais attention à toi. Tu vois quelque chose ? Il y a un truc au fond. J'arrive pas à déterminer ce que c'est. Ok, je vais lancer ma lanterne au fond. Je dois faire un G ? Un petit jet d'athlétisme. Juste la faire rouler, hein, pas l'exploser ou quoi. Oui. C'est dans un film, c'est le moment où tu te rends compte qu'il y a des milliards de mini-araignées au fond. C'est ça. Je te la fais rouler jusque là. Il n'y a rien au plafond. Non, par contre, il y a un gif. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a des molotovs de lanterne. Je peux pas lancer des molotovs ? C'est comme une sorte de boule d'ombre qui tournoierait sur elle-même. Ok. Il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. Mettez les torches ! C'est plus une boule de fumée. J'avais d'autres gifs assez sympathiques, mais j'arrivais pas à les détourer. Genre, il y avait celui-là. Et ça aurait plus correspondu. Ah oui. Ça correspondait mieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas. Vous pensez que c'est un portail ou quelque chose du style ? J'en sais rien. Ça me parle. Ne l'écoute pas, là. Ah non, je l'écoute pas. Que quelqu'un retourne à la surface prévenir les autres. Et nous, on va rester là surveiller ça. Bloom, vas-y. Elle va attaquer.
Quoi ? Elle va attaquer. Ok, je me mets en def. Je recule et je lâche ma carte. Et elle se met comme une sorte, comme un peu à... je vais dire exploser, mais c'est pas vraiment le terme, mais comme s'élargir et... imploser. Non, vraiment exploser et à vous transpercer en fait de part en part, faire un grand vent, une grande rafale de vent qui vous traverse et qui traverse le couloir tout du long. What? Attends, je réactualise parce que ça avait bugué. Voilà. Ça nous traverse tous là? Ça vous traverse pas non plus. Véritablement, c'est comme s'il y avait un grand vent qui s'était mis à souffler d'un coup et qui vous soufflait. Et il n'y a plus le truc. Mais vous avez vu comme la fumée noire comme se déplacer, mais en passant à travers vous. Oh là là. Qu'est-ce que c'était que ça? Je vais récupérer ma lanterne. Je sais pas. T'entends toujours les voix, Bloom? Attends un instant. Rien dans les alcôves. On dirait une église. Oh, quel beau plan. Pour l'instant, on en est là. C'est pas mal. Bon, il faut qu'on revienne sur nos pas. Oui. Redoubler. Je crois qu'il faut remonter. Ok, on va remonter. Et vite. On va retourner à l'entrée. Ils attaquent, là-haut. Oh, trop vite, galop. Non, on a pas de colle. Par contre, Black Bloom, elle suit pas. Je tire Black Bloom, même si j'ai pas le contrôle de token. Oui, je l'amène avec nous aussi. Ruru ? Deux secondes parce que je suis en train de préparer ce qui se passe. Oui. Ok. D'accord, bon, ben on dit que Black Bloom nous suit. Oui, on dit qu'on court. Voilà. J'ai pas pu faire notre carte de tout. Arrêtez de me marcher dessus, bande de sauvages ! Pas le temps ! Il y a des gens en danger ! Blablabla. Cheval de trait, il court. Avant de sortir, on va dans les autres coins que j'ai pas décidé et que je remplis de la carte. Non. Le succès 100% complet. Attends, faut qu'on chope Silver là. Ah oui, hop. Je ne suis pas gros. Mais on n'a pas dit que t'étais gros. Mais je le dis d'abord, avant que ce soit dit. Ben, ça devrait pas été dit, parce qu'on est gentil. Ok. Et plus vous vous approchez de la sortie, plus vous entendez déjà les premiers coups de feu. Ah. Des explosions, ça se tire. Et des explosions là-haut. C'est rien, c'est des coups de feu. C'est Lily et Red. C'est ça votre. Bon, pas le temps de parler. Allez hop, je soulève le gros. Oh putain. Ah bah il y a du monde. Et je vais changer la musique et mettre le turn order. Je vais poser là. Alors. Attends-moi ça. J'ai un écran pour le moment. Oublie pas pour le turn order que j'agis deux fois. Je vais bien me le dire. Version complète du plan. Vous voulez rire? Oui. On dirait Vayne. Je sais pas, je suis dans le vent. Ah. Qui on dirait Vayne? Là. Ah oui. Oh merde! Et ça, c'est quoi? Et ça, on dirait une licorne. J'avoue. Que je me sois pas trompé sur les tokens, mais normalement, ouais, c'est ça, c'est bien la bonne. Okay. Moi, j'ai encore un écran de Ah, F5. On va pas faire mieux. Le plus dangereux, là, ça va être les putains de licornes. On a un autre à gauche. Ah ouais, c'est quoi ce truc-là? Où ça? Là. À gauche. Donc je vais vous décrire un petit peu. Donc il y a les ombres habituelles, les licornes, pégases et terrestres. Et il y en a des plus grosses qui sont respectivement un terrestre, une licorne et la balle pégase. Ok.
C'est Terrestre, Licorne et Pégase, les trois ? Les trois. C'est les mamans. Maman. Maman. Just killed them. Mama. Ouh. 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 Et donc, mon attaille. Je suis Argona. Attends, j'ouvre ma fiche, pas celle de ce coup-là. Les méchants. Non, mais non, c'est pas nécessaire. T'as pas besoin d'ouvrir la fiche des méchants, ça va, on sait qu'ils sont D4 partout. D4-2. J'ai non entraîné partout. Mais c'est pas leur objet qui m'intéresse, c'est leurs compétences. Mais ils ont pas de compétences. Leurs atouts. Alors ils sont tous âgés. Vieillards. Séniles. Il y a tout, pas handicap. Ouais, bah justement, c'est un atout pour nous. Ils sont vieux. Je suis vieux. Alors, du coup, normalement, avec mes nouveaux atouts, ça devrait être pas mal. Si je dois aller au corps à corps. Black représentera vos alliés. Yeah. Que je regarde bien. Hop. Salut mon pote. Ah oui. Tac. Bah écoutez. C'est l'heure du combat. Oh. Ah, je suis que 5. Dommage. Dérigeant. Forcément, c'est eux qui ont les blockers. Oh, je suis pas dernière. Qu'est-ce qui se passe? Non. Mais les boss ont les jokers. Oui, on a vu. Bah. C'est bon, on a plein de cartes. On peut sauver les gens. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas de cartes pour les bébés. À moins que tu fasses par race. Ah, je les avais oubliés, ceux-là. C'est bien ce qui me semble. Mais oui, ils joueront en même temps que. Non, mais c'est mieux s'ils jouent pas avec le boss de leur race. Ouais. Ah, attends. Comme ça, les licornes n'ont pas le joker. Et si on fait Pégache, de Caribe en Scylla, techniquement, on évite la situation dangereuse ou mortelle. Tu casses les couilles. Non. Du coup, ça, c'est la terrestre, ça, c'est Pégase, et l'autre, là-bas, c'est licorne. C'est ça? Je les ferai jouer en dernier, du coup, les petits. Ok. Donc, licorne. Terrestre et le Pégase là-bas. Okay. Et ça va commencer par la licorne. Alors. Ça va puer des fesses. Et violent. Ma requête est la suivante. Au secours. Effectivement. Je suis en train de relire nos cartes pour voir éventuellement ce qui peut être utile à mettre en début de combat. Ou... En carte qui peut nous être utile, j'ai dormi les poussées d'adrénaline. Il y a un règlement de compte qui peut être utile pour quelqu'un. Ouais, mais le problème c'est qu'il faut être au corps à corps. Il faut être vraiment contre quoi. Sinon c'est pas. Non. Mais attaque, c'est pas spécialement les attaques au corps à corps. Ça peut être intéressant. La licorne donc va se caster un bouclier autour d'elle. Et il y aura Black Bloom qui se mettra à se tenir à la tête. Qui luttera fortement, mais elle échappera à son emprise. En gros, vous comprenez qu'elle est en train d'essayer de se faire corrompre, mais elle tient bon. Et elle dira non, je ne me laisserai pas contrôler. Hors de question. Ça, ton empereur. Hein?
pense à ton empereur. Justement, c'est ce que je voulais lui faire dire. Pour l'empereur. Pour l'empereur. Et à Telstria. Pour Nemacia. Pardon. Plus j'y pense, plus le bibliothécaire, je l'imagine en mode Napoléon Poney. Fizzle. Pardon. Ennemis. Fizzle. Je suis mort ? Non. Ah d'accord, je pensais. Fizzle. Ben on va d'abord s'attaquer au petit Zad, je pense. Le petit mob qu'il y a autour. Elle va sortir le bâton. Pardon. La boum. Attends, je vérifie. Est-ce que ce serait pas mieux sur c'est les licornes là en bas ? Là, c'est les terrestres en bas. Bah, on a ennemi aussi, ça doit être utilisé dans le premier tour. Ça doit être utilisé dans le premier tour, ennemi ? Au premier round de combat. C'est quoi ? C'est un joker ennemi au premier round de combat. C'est à double tranchant. C'est où, ennemi ? Vous ne pourrez plus encaisser les blessures qu'il vous inflige pour le reste de la rencontre, mais on peut piocher 3 cartes immédiatement et en conserver une, et du coup pouvoir en rejouer une. Oui, c'est bon, on a déjà 15 cartes là, on va peut-être en repiocher 3. Si parce que je suis pas sûr des cartes qui restent, s'il y en avait peut-être une autre qui pourrait être encore mieux. Ah, attends, les groupes là, en bas à gauche on a des Pégases, en haut on a des Licornes, c'est ça ? Ouais. Alors là c'est les Pégases, là c'est les terrestres. Là, c'est les licornes. Ok. À mon avis, il vaut mieux attaquer ceux qui attaquent. Bâton de Winter sur les licornes, sur le groupe de licornes qu'il y a là. Yes. Bâton de Winter avec le sort explosion. Kaboom. Vous entendez un kaboom. Si, oui, j'ai largement la portée. J'ai pas entendu ta. Ouais, je vais mettre plus de dégâts parce que comme ça, le bâton a une seule utilisation, mais c'est pas grave. Non, je vais pas mettre plus de dégâts. Ah. Voilà, donc explosion sur tout ce groupe là. Ok. Je t'en prie, c'est ton jeu. Ah, c'est fait. On a fait les dégâts. Pom, pom, pom. Ça veut dire que j'ai pas fait leur jet. Bon, pom, pom, pom. Alors, donc, du coup, une esquive, deux esquives. Ce sera les deux là qui vont esquiver. Ah, merde, il y a celui-là aussi qui. Et lui aussi raté. Donc, tu me fais 3 jets de dégâts. Parfait. Le premier, le deuxième, okay. Et le troisième. Ça fait boum 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 boum. In my room, in the night together. In my room. Alors, c'est au tour du terrestre. Il va rester là, ne pas bouger. Et regarder les autres à sa droite et à sa gauche. Kin. Et il a l'air de se mettre dans une position défensive. Au passage. Est-ce qu'avec mon arc long, je peux tirer plusieurs fois ? Oui, c'est des multi-actions. Et je tire deux fois. C'est deux actions, moins deux sur les deux actions. Si je tire 3 fois, moins 4. Je vais. Sur toutes les actions. Vu que j'ai reload de la page parce que c'était bugger les cartes, je rouvre ma fiche. Enfin, on va chercher après comme un bête. Mais du coup, on prend pas en compte le truc de tireur d'élite vu que techniquement on vient à peine de sortir du trou. Oui. Cela dit, si tu bouges pas de ce tour là. Ouais, en gros, c'est sans bouger en première action et CD1.
Plus un au tir. Oui, bah oui. Comme c'est des ZAD. Ou ignorer moins 2 de malus, donc ça peut marcher en multi-action, je pense. Donc je voulais tirer sur les. Mais c'est un mur qui les recouvre complètement là. C'est vrai que là il y a un mur. Ouais. Alors du coup j'ai là vu qu'il y a un trou. Ouais. Et là. Ok. Donc c'est moins 2, moins 4, moins 4 léger. Oh, oh, oh. Moins 4. Et... ouais, moins 4. Les trois touches. Ok, je fais le premier. Pas de bonus, j'ai rien visé de précis. C'était celui qui était juste devant nous. Le deuxième, c'est celui qui est derrière lui. Bah, 10 à peine. C'était un joli tir. Et le dernier. Ouais, pas 10, pardon. Bah, ça l'achèvera. C'est qui est mort ? Celui-là ? Celui à droite qui avait été endommagé. Ok. Ça fait un trou. Chéri. Aïe, pardon. J'arrive. Alors. Laissez-les-moi. C'est un peu ça, ouais. Le but, ça va être d'essayer de faire comme ça. Attends, d'abord, là, c'est le tour de Loupi. Alors. Pas de soucis. De toute façon, je réfléchis, donc il n'y a pas de problème. Machin. Ok. Pardon. Alors. Si je vais ici, je peux toucher les deux. Je suis pas sûr. Tu peux taper un, t'es déplacé, taper l'autre, ouais. Ah, mais c'est une double action. Dans tous les cas, c'est une double action. Je vais juste aller au contact de celui-là. Et le taper. Avec mon épée. Grosse épée. Ma grosse épée. Avec Éternal. Alors, attends, parce que j'ai tout ouvert sur l'affiche et le bordel. Donc, je lance l'épée, hein. Enfin, je... Oui. Ça fait longtemps que j'ai pas... Il n'y a plus d'épée. Je pense que ça touche. Non. Ah oui. La coupée en deux. Sfrouch. Un de plus en moins. Une victime de plus pour l'empereur. Silver. Alors. Silver, il a sauté par-dessus Fizzle. En plus, ça c'est un caillou, non? Oui. Non, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse ça. Bon, ben je vais faire un jet d'allure pour courir. Hein. Ben, Silver vous aura quand même prévenu avant que il faut pas trop rester près de lui. Quand il... Oh ! GG ! Nice. Ça fait combien ? 24 mètres. Oh. Je peux aller jusque là. Tu veux pas aller niquer lui là-bas? Mon but c'est d'arriver ici le plus vite possible en fait. Hein? Saute! Non. Il saute par-dessus, ouais! Surtout qu'en plus, ça fait 24 mètres! Ouais, mais non, ça marche pas. Faut pas abuser, hein. Ah! Fuck! Sachant qu'il est. 24,3, bouh! Oh, hé! Hey. J'ai pas arrêté assez vite. Bah du coup Silver il a son épée et puis il est en mode come at me. Alors, vraiment d'amis.
Alors, elle... Descendante, c'est pas la descendante de Redia, mais presque. Elle l'a loupé, elle essaye de le mordre. Elle essaye de mordre lui, là. Tu vois bien qu'elle est là. Ah oui, pardon. J'ai mal lu. Elle... Autour du... Grand Pégase. Alors, celui-ci est déjà en vol. Il sera au-dessus, au-dessus du champ de bataille. Lancer un dé pour le déplacement. Go fast. Il se met ici. Il regarde un peu aux alentours et... Non. Ah, c'est là où on est le plus, hein, ici. Ouais. Là. Alors, du coup, il va nous faire un petit jet. Et vous me ferez un jet d'agilité, d'athlétisme à moins 2, du coup, à l'intérieur. En gros, il vous canarde de plumes. Moi, j'ai esquive et grande esquive. Attaque à distance moins 2. Et mais là, c'est une attaque de zone, donc c'est plus, t'as plus 2, donc t'auras que ton athlétisme. Donc c'est athlétisme. À plus 2. Bah, moins 2 plus 2, ça fait athlétisme. Avec 0. Non ! Ah non, on peut lui faire un autre jour. Ouais, mais attaque. En vrai, je sais pas. Bah, c'est un échec critique et genre, il l'envoie sur ses mobs derrière. Ah. Oh, j'avoue ! Moi, que l'échec critique, ça a peut-être juste le stun. Le stun, et il va s'éclater par terre. Ouais, ça donne une occasion. Moi, de... ça m'a l'air bien. Ouais. C'est pas un peu tard. Mais qui l'utilise ? Bah, ça transforme une réussite en échec critique. Mais qui l'utilise ? C'est la question. Que moi j'aimerais bien utiliser dans le mille plus tard. Ouais. Bah toi dans le mille, moi je sais pas ce que je peux utiliser. Dans le mille quand je pioche un joker. Ah si, j'ai x4 sur mes dégâts. Tu sais pas non plus ce que je peux utiliser, je vous avoue. Moi j'ai la carte... Il y a plus de pouvoir pour toi. Ouais, j'ai la carte à flux de pouvoir, mais il y a aussi la poussée d'adrénaline qui peut être sympa pour toi Loupi. C'est quoi? Tu joues de automatiquement un tour. Tu joues un tour supplémentaire. Avec le mouvement. En gros, tu joues un deuxième tour. Bah, dans ce cas, c'est à Silver de faire ça, non? À Silver de jouer un autre jour? Ouais, je sais pas. Ouais, je pense que c'est la meilleure solution. Meilleure solution? C'est qui a un autre jour? C'est moi. Bah, vas-y, joue là. Je peux pas. Je la c'est Silver. Ouais. Voilà. Tu la jettes dessus. Silver utilise la carte comme une raquette sur son attaque. Alors, donc je vais décider du résultat avec un petit dé. Ça peut aussi toucher nos alliés. Hein. Bah, si c'est un échec critique, ça devrait pas toucher nos alliés normalement. Il y a une petite chance que ça réussisse quand même. Bah, ça veut dire qu'au lieu de nous toucher nous, ça va toucher d'autres gens et parmi les gens, ça peut être les alliés. Aussi. Alors. Ce qui va se passer, c'est que juste il y aura eu un gros coup de vent à ce moment-là et ça aura dévié dans le trou. Yes. Plein d'eau. Easy. Vous pouvez pas viser là, le groupe. Non. C'est beaucoup trop loin. Autour des licornes, celle-ci se restabilise. Gilles, mon pauvre Gilles. Oh non, pas Gilles! Il est où Gilles? Grumpf. Non! Bah, il est un peu au milieu, quoi. Ça va faire du poulet grillé, les gars.
Quoi de quoi. 4 rafales d'un coup, allez, c'est parti. Aquila, numéro 2. Emporté. Ah non, c'est 6 rafales, mon dieu. Alors. Ils ont et touché. Mais attends, ils ont joué nos alliés? Ah bah non. Ah bah non. Ah, t'es gentil, toi. C'était nos alliés. Oui, c'est vrai. Il n'y en a aucun qui a joué. Oui, bah pardon. Bah non, je ne te pardonne pas. Pour la peine, ils font tous un échec critique. Non, pour la peine, ils referaient leur geste et tout. Alors. Radia. Non, bah on va commencer par Gible. Alors, il va faire deux attaques, une qui touche, une qui loupe. Et les dégâts. Tu vas tuer le papa de Miss. Gilles. Radiante, t'arrives. Tout ça beau dans ta gueule. Raté. Bon, Radiante. Bravo. Oh, Radiante. Ah, tu es nul. Alors. Le gars ici, il arrive. Lac. Il rate. Seriously? Où sont leurs jets? Quelle indignité. Batch arrive. Raté. Non mais au bout d'un moment. L'élite. Super l'élite. C'est l'élite et après les mecs ils étaient en mode « Oui vous savez vous battre à Silver et Pizzle. » Oui mais c'est des PNJ et nous on est des PJ. Alors. Ah, exotique touche la licorne là-bas. Oui, plus de licorne. Au passage est libre. C'est que de la toucher. Mais il me fait pas grand chose en dégâts. Super. Je l'ai dit, je vais changer les dés. C'est l'élite quand même. On va changer les dés de dégâts. Allez, si je refais un autre 24, je peux atteindre le. Ah, c'est mieux, ça la secoue. Je pousse la licorne au passage dans le trou. Tu prends la licorne et là, dans le trou. Pinot qui va ici. Non mais moi je reste persuadé qu'on va se retrouver avec un dragon d'ombre. On verra. Il y a un gros trou là de. Il va y avoir un gros mob. C'est pas surtout il y a un endroit avec de l'eau qui est sans fond. Il va y avoir un. Comment ça s'appelle? Serpent de mer. Non, Vert géant. Non. Cherche le nom du gros poisson dans Jurassic World là. Ah. Mégalodon. Non, c'est pas. Ouais, c'est ça. Il y a un mosasaur d'ombre qui va sortir et tous nous bouffer. Grand. Une truite géante. De Redmine, vous l'avez déjà vu à l'œuvre, mais en gros, il se dédouble pour. Ils ont double, il sert à recharger les fusils de Lily. Ok. C'est un servant de fusil, pourquoi pas. C'est ça. En fait, ça permet de tirer très rapidement. Bah oui, ça permet de recharger. À ta place. Exactement. Alors, Blue Circle, déjà, bah, elle va se mettre par là. Elle va se mettre derrière Redmine qui est avec son bouclier. Et toucher une des ombres. Et une. Floral. Voilà. Une de plus simple. Ces deux-là. Ils devront faire des tirs. Là. Un qui touche. Un qui loupe. Pas ouf les dégâts. Ah oui, il y a. C'est. Il y a Marie-Lise que j'ai pas vu. Il y a en bas aussi. Putain, il y a tout ce qui est en bas. Ah. Il y a Namamara aussi, Namamera que j'ai pas joué. Il y a tout ça. Oh là là. Mouni. Bah non, c'est une licorne. Elle va juste se mettre là et. Elle tirer sur le gros, le toucher. Et le cerf, il a fait quoi?
Attends deux secondes. Pardon. Elle aura secoué celle-là. Le gros terrestre, elle l'a secoué. La Mouni. GG, elle va mourir. Le gros cerf, le cerf, il a fait quoi? Le cerf blanc, le renne. Le renne, il a encore. Il va aider Radiant. Oh, il est bien. Il est très bien. La biche ici. On va l'art. Raté, touché. Elle est morte. Elle en secouille. Alors, Mistral, il faut qu'il a déjà agi. Oui. Pardon. Thunderstrike, je les ai fait tirer ces deux-là. Deux secondes. Soprano, il a déjà joué, c'est en bas, c'est tout en bas que ça n'a pas joué. Ah, pardon. Donc, une, deux, ça va faire trois attaques de magie. On va commencer par les deux Rifty. Raté, touché. Une de plus en bas. Et les deux autres en bas, ça va tirer. Valette. Touché, touché. Et. Une secouée, une butée. Je crois qu'on est bon. Ouais, ça a l'air. Donc, l'une en l'ombre, celle-ci se restabilise. Le Jimou, il va quand même recevoir trois attaques. Down aussi. Touché. Touché pour Gilou. Que dalle. Secoué. À terre. Qui à terre donne Gilles Gilles. Putain. Il a trois licornes sur lui. C'est une hémorragie. Putain. On va pas sauver tout le monde. Malheureusement. Oh, ça a l'air mal parti. C'est ça. C'est ça le truc. Alors, les terrestres, ici. Oh, Amaryllis, ça va prendre cher aussi. Hein. Alors, juste ici, tu vas y avoir une contre-attaque. Enfin, une attaque foudroyante de Redmind qui va louper. Voilà, l'ombre qui loupe. Ces deux-là vont essayer de passer. Alors, on va commencer par les trois sur Amaryllis. Il l'oublie plus grâce à ma magnifique voix, Loki. Alors, donc, couille. Qu'est-ce que j'ai mal aux couilles? Tu as tué le père de Missou. Il est pas encore mort. Ouais, vraiment. Ouais. Enfin. Secouer à Marie, ça va, elle s'en sort bien. 4 sur Soprano. 2 qui touchent, 2 qui loupent. La pilule, salope! Mais non, ta gueule. Mais j'ai rien dit. Non mais pas toi. Soprano à terre. Eh bah super.
Bon, au moins, il est avec quelqu'un pour l'aider, quoi. Il n'est pas tout seul comme Gilles. Pardon. C'est déjà ça, oui. Mais enfin... L'attaque surprise. Pendant ce temps-là, Redman qui est en train d'en tenir 3. J'ai oublié de faire tirer Lily, en fait. Attends, je vais tirer Lily. Piu, piu, piu. Allez. Bon, qui en veut... Pardon, Redman en tenait 2. El Pegasus. Celui-là se restabilisera pas. Par contre, ils sont dans la merde. Les autres. Ah oui, eux là. Parce qu'ils sont vraiment. Non, pas eux, ceux qui sont genre sur le bout du clocher. Genre là, là. Ah merde, putain, oui. Ces 3 PNJ sont dans la merde. Avec toute la dose qu'il va y avoir. Oui, effectivement, c'est pas. C'est la pas... max. D'accord, là c'était ça. Faut tuer les progéniteurs. Alors, c'est que ça s'en sort plutôt pas mal. Thunderstrike qui part les 3. Et l'autre qui se fait toucher que par 1. Reviens le dé. Il est là. Et même pas secoué. L'élite. J'espère bien que tous les gars qui sont dans l'élite, ils sont au moins niveau héroïque. C'est novice. C'est des extras, c'est tout. Oui, non, mais en termes de level. Mais des extras qui ont des gros dés quand même. Qui sont dopés. Des bons dés. Alors, ah bah tiens, mais c'est les amis qui commencent. Alors, on va commencer par le petit Redou. Le petit Redou qui va pousser cette ombre-là avec son bouclier. Tandis que Lily lui tire dessus, voilà. Non, j'ai pas relancé 2 fois. Non, mais t'inquiète. Elle tire, elle donne son fusil, elle prend le nouveau. Un faucheur. C'est ça. Die. Alors, les deux licornes ici. Derrière Red. Toucher le terrestre qui arrive vers elle. Secouer le cerf. Elémon. Rat. Risky et Namamera. 2 attaques de touche. Pas grand chose. Et... Je reviens. On n'a pas du tout entendu le détomber. Pac. Si c'est pour un allié, c'est une réussite critique. Si c'est pour un ennemi, c'est un échec critique. Pour en secouir, voilà. Floral. Il va juste stabiliser Soprano et même le réveiller. Ah, super. Il est réveillé, il peut remourir. Ouais. D'ailleurs, il va frapper. Ouais. Coup de tête, balayette. Coup de griffe. Ok. Et... Raté. Amaryllis, même pas restabilisé. Mouni et Gyol.
et d'Amaryllis. Toucher, toucher. Secouer, secouer. Personne va essayer d'aller sauver Gilles. Radiante va au moins essayer de le stabiliser. Alors. Elle le stabilise au moins. Et au passage, on frappera une. Et on défoncera une. Yes. L'élite. L'élite. Par contre, il est toujours dans les vapes, Gilles. Zone. C'est grâce à l'intervention de Missou qu'il est en vie. Zone. Ouais, non, il loupe son attaque. Black et Butch. Touché, c'est Moon qui le, c'est Black qui la touche. Qui lui arrache la gorge, il y a la tête qui tombe carrément. Yes. Yes. Ça, c'est bien. Et le Mistral gagnant. Le Mistral gagnant. Hop là. Sander qui, du coup, a pris son arme de cac. Les deux rates. Lui. Enfin, je vais lui faire. Ok, il va toucher les trois avec un balayage. Alors, secouer. Que dalle. Tuer. Et je crois que j'ai fait le tour. Non, il manquait exotique. Je vais faire aller là. Et blast au niveau de Gilles. Pas grand chose. Silver. Je vais faire un jet d'allure. Oh. Refais-en un pour voir. Attends. Parce que du coup, j'ai fermé ma fiche pour essayer de faire les trucs. Du coup, il faut que je la relance. Allez, si tu double-cliques sur ta fiche, tu peux la. Oui, mais ça a bug. D'accord. Tu peux aussi l'ouvrir en mini page, ouais. Je sais, ça bug aussi. Ah. Relance-le. Bon, ça fait autre chose que 12. Non, c'était vraiment de la chance. C'est vraiment du bol. Ça l'a fait 5 fois d'affilée, du coup, si on compte bien. Ouais. Du coup, les 4 prochains DG d'allure, je veux qu'ils soient à 12. Et ben, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Du coup, c'est 120 mètres. Après, il relance, il refera des 12. Voilà, regarde, je vais au contact. Je fais ce que je sais faire de mieux. Je frappe, monsieur. Il passe par-dessus le pot. Ouais. Non, j'ai montré mon chemin. Oui, mais on t'a vu te déplacer par-dessus le pot. C'est terrible. Alors, vu que j'ai frénésie suprême, je peux ajouter un dé de combat jusqu'à 2 de mes attaques. Tu peux du tour. Ouais, en gros, avec ton marteau, tu peux lancer 2 autres attaques. Non, mais je prends mon fauchon. Et non, c'est un jet de combat en plus pour mes attaques. Oui, mais comme ta frénésie suprême, tu peux le faire 2 fois. Oui, c'est ça. C'est comme si je lançais 2 jets pour une attaque. Par contre, avec frénésie suprême, tu peux faire 3 jets pour une attaque. Non. On rajoute 2. Si. Ça compte comme une attaque, donc tu peux le faire aussi sur la frénésie. Tu peux faire 3 attaques avec ton épée, avec ton fauchon. Non, frénésie, moi la description que j'ai, c'est un personnage disposant de cet atout peut ajouter un second dé de combat à une de ses attaques de corps à corps du roux. Oui. Et t'as le suprême. Oui, et ben ça fait 2 dés de combat, mais qui doivent être ajoutés à une attaque que je lance déjà. Oui, bah tu peux très bien justement rajouter cette attaque sur une attaque que tu as déjà rajoutée. Basiquement, tu attaques 3 fois. Voilà, tu attaques 3 fois avec ton fauchon. Par contre, on ne prend en compte le dé de joker que du premier jet.
Ouais, bon bah je vais attaquer deux fois le... Et attention, oui, sur des actions de ce genre-là, s'il y a plus de la moitié des jets qui sont des 1, c'est des fumbles. Ouais, bah je vais l'attaquer qu'une seule fois et puis... basta. J'ai quand même un plus 2 parce que c'est... Plus 2 moins 2, c'est une double action. Non, je vais l'attaquer qu'une fois. Non mais il a couru. T'as couru. C'est pas une action, mais oui. Bon bah 0. Oui, et tout ça. Quoi? Bah 0. Quand on met la souris dessus, non, ça a marqué 4, ça a raté relance. Et t'as mis un plus. Oui, t'as mis un. Que des 0 relance. Je reconnais ça, c'est un sang. Ah, alors. Raté. Oh! C'est indigne. Et sur relance? Je vais relancer. D est apparu. Est-ce que du coup je peux utiliser deux fois mon truc de fauchon pour l'attaquer le type? Bah non, parce que t'as fait qu'une seule attaque là. Non mais le frénésie. Bah non, tu relances une attaque. Tu relances l'attaque que tu viens de faire. Non, c'est tu. Non, tu viens de relancer une attaque que tu viens de faire. Donc non, tu ne fais pas la frénésie. Moi je comprends pas, parce que pour moi frénésie c'est que ça rajoute un dé de combat sur la sur une de mes attaques. Oui mais là tu viens de faire, tu viens de déclarer une seule attaque là. Tu relances l'attaque que tu viens de faire, donc non, tu relances l'attaque que tu viens de faire. En gros frénésie ça te permet d'attaquer plusieurs fois avec une seule action d'attaque. Ok. Au lieu de caler un coup t'en cales trois. Par contre, si tu m'avais déclaré les trois attaques avec la frénésie dès le premier tour, si t'avais relancé, t'aurais relancé toutes les attaques. Oui, bah j'ai fait 14. Bah ça touche. Poutre-lui la gueule. Eh, c'est pas énorme, hein. Non. Ça lui fait rien. Ouais, bah c'est pas grave. Alors. Autour de la licorne. Greux. Alors que je regarde. Voyons cela. Alors ça sera tic. C'est là qu'on aurait dû utiliser le. Alors. Elle te lance un sort d'aveuglement. Tu as du noir dans les yeux. Tu ne vois plus rien. Les vous trois, vous ne voyez plus rien au moment. Vous aurez un malus de moins 4 sur toutes vos actions nécessitant la vue, dont vos attaques. Quoi ? Tu es aveuglé. Ah, d'accord. Et donc c'est au début de ton tour. Non, à la fin des prochains tours, les victimes. Donc à la fin de ton prochain tour, du coup, les victimes pour tenter d'annuler le machin, tu devras faire un jet de vigueur. Sur une réussite, tu annuleras moins 2 de malus. Sur une prouesse, tu annuleras totalement les malus d'aveuglement. Super! Ah bah bravo! Chéri! Oui! C'est moi. Donc, Loupi, tu joues pas encore en dernière ? Je vais tenter de dash pour atteindre monsieur. Vu que je vois que là, ils sont suffisamment et là, ils sont okay. Un peu en. Pas très nombreux. Tu considères qu'il est à 6 mètres en vol ? Mais moi, ouais. Mais toi, tu peux voler, oui, y a pas de problème. Alors. mais c'est pas vrai, mais vous êtes sérieux ? Relance-le ! Mais bon, tu pourras atteindre son cac, y a pas de problème. Et le taper du coup. Oui. Bah je le tape. À moins 2 puisque t'as dashé.
foutre lui la gueule. Alors, tu... Oh, c'est vrai qu'il a... Oh, bah tu le touches. Il a moins de parade que l'autre. Pardon. Je leur ai mis leur blessure. Ah oui, c'est juste qu'elles sont pas affichées. Il me semblait l'avoir fait. Alors... Je vais te tuer, putain, je vais te tuer. Pardon, excusez-moi. J'ai eu la rêve. C'était pour faire rire, Miss. Okay. Tu es arrivé chez moi, tu sais quoi. Donc, 21, je retire ça, ça fait... Ça fait ok. Ça le fera. Une blessure. De plus, je vais devoir lui faire faire un jet d'athlétisme, mais d'abord je termine. Je regardais parce que j'ai pas mis leur fiche. Enfin, j'ai pas mis leur blessure au-dessus. Une seule blessure avec un 21 ? Oui. Bah, je vais pas faire des 21 à chaque fois. Hein. Mais si. La prochaine tour, 48. Le pire, c'est que c'est quasiment certain qu'il peut encaisser 5 blessures. Pardon. Excusez-moi, il y a mon frère qui vient de me dire que son chat est tombé dans les chiottes. C'est un signe, ça veut dire qu'on va gagner. Ouf. Il a envie, enfin, je veux dire, il est pas blessé ou autre. Ouais. Non, non, je suis tombé genre plouf et est ressorti. Tu sais, le bruit de la goutte. Ok. Ah oui, je devais lui faire un jet de... Il se casse la gueule et je vais lui faire faire des dégâts de chute. C'est la finesse. Okay, son tableau est écrit chier dessus. On fait mieux de la sol. Quoi ? Il est au sol. Okay. Enfin, il est au sol, il est par terre, mais il est debout. Ah ok. Mais il ne vole plus, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. Alors, c'est terrestre. Donc, on va commencer par ceux-là qui vont essayer de se restable. Réussi. Amaryllis, moi je t'aimais bien, toi. Et moi aussi. Allez, Marcel, le travail. Il y en a qu'un seul qui touche. Bon bah par contre je peux pas faire grand chose pour toi là avec ça la Marilis. Tu es par terre. Mais pas en hémorragie. Lui je sais qu'il s'est restabilisé aussi. Il va essayer d'avancer mais pas réussir à prendre une attaque ratée. Et il va essayer d'attaquer ratée. Et se prendre une contre-attaque ratée. L'élite. Ah, il reste ces deux terrestres là. Sur Prano. Raté. Il a pas de contre-attaque, lui. J'allais dire pour moi à Fizzle, sauf qu'elle peut pas me comprendre et je pense pas que j'ai le temps de lui écrire. Non, pas trop. Et du coup, en fait, ce que j'allais faire, c'est. Je suis sur place et viser la tête. De ça là. De ça. De ça. Ok. De cet homonculus. Tu as moins 4, mais moins 2 avec ton tireur d'élite. Sachant que moi je suis en l'air donc elle peut techniquement pas me toucher. C'est vrai que tu n'es pas couvé, tu n'as pas la vue cachée par Cherry. Oui. Donc tu n'as que moins 2. J'ai hésité à la limite à attendre un tour pour utiliser le truc de viser pour tirer le tour prochain avec encore un plus 2. Mais je me dis, c'est trop risqué. Bah, le truc, c'est qu'au tour suivant, je serai sûrement à son cac, donc... Ouais, donc du coup, j'ai juste moins 2 en visant sa tête. Ouais. Ouf. Je vais roller les dégâts, et si c'est des gros dégâts, j'utiliserai le machin pour doubler les dégâts. Je sais pas si tu dois d'abord le... Je sais pas. D'abord décider avant de. À mon avis, il faut d'abord. Je sais pas. Jouer cette carte après le jet de dégâts d'une attaque. Ah bah après. Okay. Pour une fois, c'est bien précisé. Sachant que tu as plus 4 dégâts.
dire comme moi. Double-les ! Double-les ! Sachant qu'en plus tu as réussi avec un. Tu savais 11-14. 11-14 ça fait 20. 31. Ça fait 31. Mais c'est juste que j'ai pas confiance. Donc du coup je vais faire le double avec dans le mille. Pour faire 62 points de dégâts du coup. 62, je retire ça, je pense que... J'arrive pas à pousser la carte. Ah mais non, c'est Lucky Killer, je regardais dans mon. Pardon. Pas de soucis. Bon bah un de plus en moins hein. 62 de dégâts. Ouais. Je pense que le 31 aurait suffi. Mais non. Bah. T'aurais pu faire un jet. Tu peux faire un jet pour encaisser donc. Oui, mais avec un 62, j'ai pas envie. Voilà, c'est pour empêcher ça en fait. C'est pas pour. Y a rien qui m'en empêche, hein, c'est juste que je trouve ça plus. Plus joli. Mais dis pas que le 31 aurait suffi. Ouais, du coup, j'ai plus envie de l'utiliser. Mais c'est pas non, non, non. Mais j'aurais peut-être plus voulu encaisser le 31. Non, il va tomber au sol et finir en une sorte de flaque pareille avant de se renvoler en nuage. Et se concentrer un petit peu plus au-dessus. J'ai compris. Il va se concentrer là. Non, mais les trois vont se concentrer ensemble et faire le boss final à la fin. On va faire une alicorne. Ça va être un boss alicorne. J'aurais dû garder mon double dégâts. Au secours. Et c'est là que c'est une des alicornes qu'on a vu. Je te signe, je l'ai tué. Ça me compte quand même. Voilà. Ouais, mais j'avais commencé. Voilà. Je l'avais affaibli. Non, moi je fais un signe genre travail d'équipe, bitch. Alors, ça me fait penser à un beau gosse. Oui. De quoi? Thunder, il retient toujours 3 Pégas sur lui. On va aller l'aider, hein, le pauvre. Mistral arrive. Mistral attaqué, raté. Celui qui est sur Darge. Au début, j'avais pensé faire 3 attaques, mais je me suis dit, vaut mieux one shot le truc. Ouais, ouais. Putain, mais les Pégas derrière, ils font rien. Bah, tant mieux. Ouais. Lui arrive à se restabiliser. Hop. Et donc, il y a. Et merde, putain. Ça fait beaucoup de monde à gauche. Alors, ça fait 5 attaques. On va commencer par 2 sur Peanut. Raté, touché. Touché. Secoué. Peanut secoué. Une sur Sunny. Raté. Et 2 sur Coral. Raté. Touché. Touché comment? Touché bien. Touché. 4. Secoué. Fin du tour des Pégases. Le tour des licornes. Alors, les deux filles radiantes. Heureusement qu'il s'est calé au cac parce que du coup, il y en a qu'une seule qui va la toucher. Elle sera juste secouée. Pareil pour Down. Okay. Et les deux autres qui lui tirent sur le feu. Raté, touché. Down, secoué. Fin du tour des licornes. Fizzle. Oui, c'est son nom. C'est moi. Oui, c'est moi. Président, oui, c'est moi. Michel. Je vérifie. Attends. Que je vérifie bien. Je vais caster convocation d'alliés à 20 mètres. Donc là. Je vais caster convocation d'alliés et ensuite je vais mettre fin à mon tour. Quoique non, convocation d'alliés vaut mieux que je le mette.
ensuite lancer un blast. Ouais. Je vais mettre mon allié là. L'allié que je vais invoquer, ça va être un clone. Tac, donc j'invoque un clone de Fizzle. C'est moi. Salut Fizzle, comment ça va Fizzle? Bien Fizzle, comment va Fizzle? Et ce clone va caster... Un autre clone? Suicide. Il va caster suicide. Non. Alors, si tu penses à plusieurs, il y a plusieurs fusils. Si tu penses à transformer le clone en dragon, c'est complètement possible. Ce n'est pas ce que je vais faire pour le moment. Ah, c'est ça, Silver. Ouais, j'avoue. Est-ce que j'ai dit Silver rougit un instant? Alors. Que je revérifie le sort. Silver, il est aveuglé. Il va se faire. Elle signe cochon. Ah, attends, Gabarimou. La salope. Je sais pas s'il faut gabarit moyen ou grand gabarit. Ouais, ça va être un grand gabarit. Ok. Kaboum. Non, c'est pas un kaboum. Normalement, si c'est bien, eux, ils vont être envoyés par là-bas, mais ils vont se faire exploser par les trucs. Et la plupart, là, c'est celui-là et tout cela, là, vont se faire envoyer dans le trou. Et eux vont se faire envoyer contre les murs. Parce que mon clone va lancer un petit sort de ravage. Ils vont plus se faire envoyer comme ça. Oui, oui. Mon but, c'est qu'ils aillent tous dans le trou. Hein. Ils iront pas tous dans le trou. Oui, mais c'est le but, pour nettoyer ça. Donc il va caster Ravage en sélection, et il va sélectionner que les mobs. Ça touche, lui aussi. Raté. Fais chier, est-ce que je relance? Ah, mais attends, ça a mal compté le dé. Non, c'était le bon. Je pensais que c'était de la science étrange, mais non. Bah tant pis. Non, tu sais quoi, je vais relancer parce que c'est quand même assez important. Touche ça. Putain. Tant pis. Alors. Tour de l'eau. Se restabilise et regarde Silver droit dans les yeux. Je vais lui faire un petit jet d'intimidation. Genre, wesh, tu m'as touché, frère. Bon, ça va pas du tout t'intimider. Allez, que vas-tu faire? Mal. Et il va te frapper. À combien en parade? J'ai 11. Ouais, bah 21, je pense que ça passe. Ouh! Et ensuite les dégâts. Ah, j'avais oublié en plus qu'il avait un petit bonus. Alors, les dégâts maintenant. Regarde comment il est satisfait dans sa voix. Il a du perce-armure, je l'avais oublié. Putain d'enculé. Alors, Ren? Oui. Voilà. Okay. Ils nous ont pas donné de la meilleure armure. Non. Je regarde bien les dégâts. Alors, c'est ça, c'est bien ça. Ok. Sérieux là? Oui, bravo. 13 dégâts. Et j'ai 11 de résistance. Ah oui, mais tu ne prends pas en compte ton armure par contre. Quoi? Il a 4 de perce armure, tu ne prends pas en compte ton armure. Bah j'ai 8 en tout du coup. Donc 8, bah 11 moins 8, ça fait que tu es seulement secoué. Ah ah! Est-ce que je t'enrage? Bien sûr! Ah, certainement.
Ah ben, je rage. Rage. Rageux. Rage against the machine. Rage against the shadows. Rage against the shadows. Do not go gently. Chante quoi? Là, du coup, il se met à hurler sur la bestiole en mode. Je vais te buter, salope! Je vais te tuer, putain! Bah, c'est un peu ça, oui. Oui, hop. Pour les autres, vous êtes tiens. Encore un choco. Oh, bah, c'est Keen! Un béni pour Keen! Et voilà, un béni pour Keen. Le boni! C'est le petit béni! Ah! Chez! Qu'est-ce qui est bien avec ça? Ah, c'est que je suis au troisième tour, je pige au dernier. Ah non! Content parce que du coup je vais pouvoir utiliser un atout que je me suis dit que j'utiliserai peut-être jamais, c'est dans le mille. x2 sur les dégâts pour le premier succès d'attaque à distance. T'imagines que t'avais un joker et tu jouais en plus dans le mille. Ouais. Non mais ouais, là ça aurait été froid. C'est ça que je dis, j'aurais dû garder le. Mais là je pense pas que je vais tirer le boss, je pense que je devrais aider ceux qui sont encerclés en fait. Je pense que ça, je sais pas. Honnêtement, j'aurais dans le mille, je taperais les gros. Oui, mais après on aurait le méga boss qui apparaîtrait. Mais c'est surtout en termes de joueur, tu sais pas que t'as le dans le mille. Ouais, ouais. En termes de perso. Ouais, mais c'est surtout, je me dis, si on perd nos alliés, ben on. On est submergé quoi. Donc en fait ce que je vais faire c'est tirer 1, 2, 3 comme ça là. Ou avant un tir qui ricoche tu sais. Ta 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 ta. Je peux tirer que 3 fois max de toute façon. Ouais. Donc les 3 là. Donc du coup seulement à moins 2 du coup les jets. Techniquement je ne bouge pas donc c'est à moins 2. Attends, ouais, il y en a qu'un seul qui est à. Il y en a. Ouais, non, c'est à moins 2 sauf le premier qui sera gratos. Bah, je lance quand même. Pas de malus. Sauf le premier qui a pas de malus parce qu'il y a le joker. Oui, parce qu'il y a le tireur d'élite. Oui. Donc il n'y a pas de malus pour le premier. Et moins 2 sur les deux. Ok. Ok. Et les. Vas-y, tire sur les deux autres déjà, avec moins 2, puis on verra. Oh putain. C'est sûr que c'est plus efficace que Wood avec son arbalète. Ouais. Enfin, Cocker, il a fait des gros dégâts des fois aussi avec son arbalète, juste qu'il mettait beaucoup de temps. Roll les 3 dégâts. Donc le premier, techniquement, ça fait. x2. Oh dommage, ça fait juste ça, c'est un peu triste. Ça fait 16 quand même. Ouais. Le deuxième. J'aurais mis le deuxième. C'est 9. D'accord, je t'autorise une relance gratuite sur celui du milieu. Ok. Dommage. Tu tireras tes 3. Si tu m'avais tué les 3, celui du milieu fait quand même 14. Ah oui, tu l'as. Ah bah, du coup, si. Un dégât, je vais t'autoriser le fait que tu n'utiliseras pas 3 flèches, mais tu n'en utiliseras qu'une seule. Ah ok. Oh c'est beau. L'élite. Parce que sinon je vais avoir du mal à tirer au bout d'un moment. Donc limite tu es déçu de pas avoir eu la quatrième. Ouais, elle a éternué, c'est pas ça à côté. Ah mais il y avait plus de hauts dégâts de toute façon. Donc. Ah oui, on avait oublié les plus de hauts dégâts. L'élite. En fait, c'est Keen l'élite. C'est ça. J'en ai eu 1, 3, ça fait 5 en tout. C'est pour ça qu'on vous a donné ce surnom. Là, je monte ma SL, je fais 5 en regardant Cherry. Ça en fait 5. C'est vraiment, c'est Guilmi et... Alors, Guilmi, t'es down. Down, mais pas en hémorragie. Si celle-ci se retourne vers Judge. Raté. Les deux là-bas sur Radiant. Reviens, le dé, reviens. Dis-moi.
De deux. Ok. Donc là. Radiant, non, je suis par terre. Alors, les trois. Attends, j'ai juste fait de la merde. C'est bon, les licornes ont toutes joué. Oui, c'est ça. Les licornes ont toutes joué. Silver! Ah, je suis. Alors, je suis enragé, donc. Et ce coup, il me semble. Oui, mais je suis enragé aussi. Ouais, n'oublie pas le récupérer. Oui, bah, c'est déjà, il faut que ma fiche se lance. Vas-y, récupère! Tu récupères. Yeah! Et le jet de vigueur aussi, du coup. Pour te désaveugler. C'est à la fin du tour. C'est à la fin du tour, pardon, oui. Du coup, aveuglé, ça me fait quoi comme... Moins 4 sur tes jets. D'attaque. Okay. Tous les jets qui nécessitent la vue. Ben, je vais attaquer... est-ce que j'ai vraiment besoin de la vue? Il est devant moi. Oui. Bah, il bouge. Hein. J'attaque deux fois, de toute façon, lui, là, pour pouvoir utiliser ma frénésie. Ok. Non, ouais. En fait, voilà. Je vais utiliser... Tu veux pas l'attaquer par trois fois? Si, je vais l'attaquer trois fois. Ok. Ce sera mieux. Donc, t'as plus 2, il me semble, avec ton fauchon. J'ai plus 2, j'ai attaque totale. Bon bah tu fais sans malus quoi. Voilà, donc je vais attaquer trois attaques sans malus. Attaque sans malus. Ah si, je vais te tuer la gueule. Voilà. Allez. Pour les deux autres, on prend pas en compte le dé sauvage. Putain. Et donc, 3 contre-attaques. Résistance augmente de 2. Passe à 13. Mais du coup, tu passes en vulnérable parce que tu as fait des attaques sauvages. Je suis en vulnérable avec les attaques sauvages ? Oui. Ah bon ? Je savais pas ça. Ça a toujours été le cas. Alors, du coup, 9. Est-ce que ça touche en parade ? Non, pas avec 11. T'as contre-attaque aussi, il me semble. Bah oui. Ça peut durer longtemps. Contre-attaque. Je t'attaque. Terry tire au but qu'il s'arrête jamais. Je peux faire 3 contre-attaques. Bah lui aussi. Terry tire au but qu'il s'arrête jamais parce que tous les joueurs ratent leur tir. J'ai fait un 8. Ils ont raté. La deuxième contre-attaque, il rate, tu peux contre-attaquer. Et ce qui est beau, c'est que t'es aveugle. Je suis désolé, mais j'ai très envie de sortir le même combat d'infirme. Hein. Non, mais je te l'autorise, tu as raison, c'est normal, mets-le. Là, moi je l'ai pas, mais voilà. Vas-y, roll les dégâts. Je roll les dégâts. Alors attendez, parce que j'ai fait une connerie. J'ai oublié de foutre le nombre de dés en plus pour ma force. Voilà, les dégâts, du coup. Est-ce que j'ai des bonus aux dégâts ou pas? Des bonus ou des malus? Non. Si c'est une attaque totale, je sais pas si. Je sais pas. Ça, je sais pas. J'ai jamais vraiment su. Et à chaque fois, j'oublie quand je me saigne. Bah tant pis. C'est les dégâts ça? Oui. Avec un 15, ça lui fait rien du tout. Putain mais bordel. Et donc du coup, sa dernière contre-attaque. Pourquoi une dernière contre-attaque? Parce que t'as les trois attaques, il les a ratées. Tes trois premières attaques, tu les as ratées, il a fait trois contre-attaques. Ah bon. Et du coup il roule, il rate et tu peux faire tes troisième contre-attaque. Wouh. Ça marche pas. Raté. Mais non, c'est fini. Heureusement qu'il y a une limite. Heureusement. Mais ce qui est beau, c'est que tu le fais à l'aveugle. C'est ça. Et ton jet de vigueur, du coup. Oui, c'est bon. As-tu vu à quel point je suis dangereux sans la vue? Imagine quand je l'aurai retrouvé. Tu auras que moins 2 sur les prochains jets. Sur les prochains tours, tu retrouves doucement la vue. Isol.
Fizzle. Est-ce que tu vas dire ça à chaque fois que c'est ton tour? Désolé. Je parle en trip. J'étais en train de regarder pourquoi il a affiché 3 blessures sur ton clone. Tu t'es posé ton deuxième token et pas le token de ton clone? Si, j'ai posé le clone normalement. Pourquoi il a 3 les 0 sur 3 alors? C'est peut-être moi qui ai fait ça. Bah non, là, il est pas censé avoir. Donc. Et en plus, il aura la D'abord, ça va être Fizzle qui va taper. Ils ont l'air de se débrouiller bien derrière là. Là, les Pégases. Ça tient. Étrangement. Ok. Je vais attaquer là. Je vais faire. Ça a l'air sympa. C'est ça. Pardon, désolé. Non, t'inquiète, je te charrie. On est d'accord que machin se bat à l'épée. Avec une lance. Je vais lui caster le sort de vitesse après m'avoir m'être un peu avancé. Je le touche. Je lui lance le sort de vitesse et je lui mets rapidité pour réduire de 2 points son malus d'action multiple. Ah, moi, ce qu'il faudrait, je le mette sur Chéri. Ouais, je vais le mettre sur Chéri. T'as fait quoi? J'ai pas tout compris. Déjà, tu ignores moins 2. Enfin, déjà, tu vas courir plus vite. Bah, vas-y, explique-le. Alors, ça multiplie par 2 ton bonus de mouvement. D'accord. Ton mouvement. Ouais. Et avec rapidité, tu réduis de 2 ton malus d'action multiple. Donc tu tapes 2 fois, t'as pas de malus. Ah cool. Et tu tapes 3 fois, t'as que moins 2. C'est ça. Donc, je vais le caster. Ouais, je vais te le caster. Est-ce que je mets en zone d'effet pour le donner aussi aux autres? Non. J'ai oublié de pouvoir utiliser peut-être plus tard, c'est la carte qui rend les BP. Hop là. Donc tu as tu multiplies ton mouvement par 2. Comme c'est une prouesse, courir ne te demande pas le moins 2 sur tes actions. Bah cool. Et ça dure combien de temps? Ça dure, je te le dis de suite, ça durera 5 tours. Bien. Et le clone. Déjà vous. C'est ça. Et le clone va s'occuper, va faire un simple tir sur les. Non, il va retenter un ravage sur les ombres, si j'arrive à parler. De sorte à toutes les envoyer dans le vide. Donc clone. Grand gabarit. Si c'est grand gabarit, c'est bon. Ou si gabarit moyen, ça passe. Non, grand gabarit, définitivement. Putain, mais ce clone qui sert à rien. C'est une cible en plus. Bon, ben. Elle va aller de ce côté-là, du coup. Ok. Voilà. Les terrestres. On va commencer par celui qui attaque, qui loupe, qui se fait contre-attaquer, qui loupe. Et maintenant, c'est ceux qui sont sur son crâne. Les deux attaquer, les deux loupes.
Et les trois sur un mari, mais elle est déjà par terre, alors elle va se bouger. Il y en a deux qui vont arriver sur Cipher. Il a plus de contrat à Kouka. Et il y en a Non. Alors, ils arrivent dans ma zone de portée. Oui. Au moment où ils arrivent dans ma zone de portée, chaque fois qu'un utilisateur arrive dans ma zone foudroyante, de portée, quoi. Pas foudroyante, je peux frapper les deux. Ça compte, ça compte même s'il est aveugle. Il est aveugle, oui, mais il n'est pas secoué, donc ça compte. Alors, okay. Je ne suis pas secoué ni sonné, donc ça passe. D'accord. Donc du coup, est-ce que j'ai un plus? Parce que j'ai quand même... ça va être l'instinct une attaque totale. L'instinct de la, du furet. Bah, attaque totale, c'est toujours attaque totale. Plus 2, plus 2, donc plus 2, plus 2, moins 2, ça fait plus 2. Ok, bah, première attaque à plus 2 pour le premier. Touché, touché. Et première et deuxième attaque à plus 2 pour l'autre. Raté. Un peu merdique, hein. Mais bon, déjà, je fais les dégâts du premier. Quand tu fais les dégâts, je demande de la parade du clone de Fizzle. Parade du clone de Fizzle, elle a 4 de parade. Ok. Ok, donc c'est... Combien en résistance? 4. Eh ben, il n'y a plus le clone. Ok. C'est pour les dégâts de Fizzle, ça suffira pas. Il y a t'as mis le plus 2 pour les dégâts? Non, j'ai pas mis de plus 2 pour les dégâts. Ah bon, bah du coup, tu en secoues, hein. L'autre attaque et te loupe. Du coup, je peux faire contre-attaque. Bah non. J'ai utilisé les 3 déjà ce tour-ci. Attends, c'est pas un nouveau tour? Non. Alors. La merde. L'ombre qui est en face de toi. Ils ont pas de bonus de plusieurs à plusieurs. C'est vrai. J'avais la flemme de le prendre en compte, mais c'est vrai que j'avais oublié ça. J'ai grand blocage. T'as combien en parade? Eh ben j'ai 11. Eh ben ça touche. Ok. Hop là. Alors. 17, 18, 19 dégâts. Et j'ai 13 de résistance. On prend pas en compte l'armure, toujours. Ah, j'ai 10. Comment il a perdu sa armure? Avec sa patte d'ombre qui traverse l'armure, directement qui frappe la chair. Parce qu'il est trop dark. Voilà. Super. Les armures ne servent donc à rien. Bah si, mais pas contre lui. Fallait une plus grosse armure. Quelle mauvaise foi! Oui. Donc du coup, t'as dit que j'avais 19, t'as dit que ça faisait 10, donc du coup, bah, ça fait 2 blessures. Deux d'un coup? Ouais. Putain, mais ça fait combien à la fois? Ça va être compliqué. Avec 2 blessures. Ah. Et n'oublie pas de tirer sur la table des blessures. Oh non. Oh non. T'es sérieux, putain? Ah, il faut que je lance une deuxième fois en plus. Juste une fois. Alors. T'aurais pas pu me faire moins en Intel, par exemple. Il est bougé. Ici. À plus l'ombre. C'est de là. On va s'avancer. Pour lui qui va aller là-bas. Et relever à Marilys. Et l'autre, la petite Risky, ici, touche. Raté, touché, attaque,
une de plus en moins. Et eux deux, ils jouent jamais ou c'est moi qui les ai ratés? Si, ils ont joué la dernière fois. D'accord. Elster Stab, pas floral. Sunny et Peanut vont justement les aider. Raté. Targe a tenté de faire un balayage, mais il en perd sa lance. Oh bah bravo. Attends, lui sa lance est partie là-dedans. Ouais, c'est vrai, c'est un peu exagéré, je suis d'accord. Alors 25 mètres. Sacré lancé. Ouais, enfin faut qu'il l'ait lancé avec la pointe en avant en mode javelot. Hein. Oui, donc non. Mais il l'aura perdu quelque part, il sait pas où. Thunderstrike a touché, un raté. Un tué. Mistral. Raté. Butch et Black Bloom. Raté. On peut changer la musique. Ok. On se demande pourquoi tu vas la garder. Et les deux autres, ils sont totalement aveuglés, ils savent pas y tirer. On parle de ceux de là. Ils vont juste se mettre en mode défense. Ils pourraient faire une, justement un truc de flash pour aveugler toutes les ombres ici. Hein. S'ils connaissent le sort. Exotique, tu vas nous faire des beaux trucs. Non, il est où l'exotique? Là. Cela dit, on va plutôt aller là. Relevé suisse. C'est mon mec. Et du coup, Dorn peut agir. Vu qu'il n'est plus down. Il est toujours down. Et secouer celui-là. Moi j'ai peur de ce qu'elle fait elle. Elle s'appelle Licombre. Oui. Super. Adieu, Mounier et Guignol. Soit tu me touches, soit tu touches Guignol. Ouais, ça sera toi. Je crois que t'as moyen de toucher les trois, mais je vais rien dire. Non, je crois pas, mais bon. J'espère pas, en tout cas. C'est vrai que cela dit, c'est vrai que... pas forcément en cause, ça peut aussi être comme ça. Mais ça serait plus intelligent ainsi. Je sais quelle sorte tu vas utiliser. La rafale. Ravage. Basiquement, il veut faire ce que je voulais faire avec les clones, mais avec les alliés. En fait, il y a certains sorts, je me suis dit plutôt que d'essayer de les choisir, je vais tirer au sort pour savoir lequel il va faire. Donc du coup, le sort. Alors du coup, c'est de là. Non. Il y a de l'eau en dessous, ça va.
Ouais. Ouais, puis il y a le gros poisson qui va les gober. Deux personnes qui tombent dans l'eau, enfin qui tombent dans le trou. T'as oublié de lui faire un jet d'âme pour voir s'ils étaient désaveuglés. En plus. Vigueur. Oui, voilà, j'ai vigueur. Au revoir. Mais du coup, j'étais pas mis à l'arrière d'eau, je reviens, je vois deux pions qui sautent dans le trou. Ils sautent pas, ils ont été poussés. Ils ont été par la licorne. La méga licorne les a poussés à l'intérieur. Ça aurait pu être super. Oui. Les Pégases. Alors, à toi, tu te restabilises. Ensuite, bah, on va pouvoir attaquer. Alors, on va commencer par les trois sur bah, Monsieur Désarmé, d'ailleurs, maintenant. Bon, d'accord, les trois loups. Meurs pas, j'arrive. Thunder se prend une attaque. Secoué. Les deux en bas. Peanut qui se prend une attaque. Peanut tombe. Médic. 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 Oui, alors. I am speed. Ouais, oublie pas ton mouvement doublé et tu peux jouer. Je sais. Du coup, je vais aller là. J'ai même pas besoin de dash. Lui, coup d'épée. Lui, coup de bouclier. Y a des plus, je sais plus. Non ? T'as juste pas de moins 2. Et okay. Avec ton arme fait du shadow array, t'as plus 2. Oh, mais elle est déjà mise, je crois. Non, pas forcément. Non, ah non, depuis tout à l'heure, je la mets pas. Le plus 2. Moi, je l'ai mis de base. Ah, mais c'est mauvais ça. Bah, je relance, j'ai 5 bénis. Là, depuis tantôt, on n'a pas lancé beaucoup de bénis. J'avoue. C'est vrai. On prépare pour le boss, on va lui lancer tous nos bénis. Ah, bah, ça touche. Pouf, ça tue. Et le coup de bouclier. Et le coup de bouclier, chponk. Ça touche. Le faire mal, un coup de bouclier dans la gueule. Surtout vu la taille du machin. Ouais, ouais. Par contre, les dégâts, c'est pas ça. Bah, 9. Non, t'as pas fait assez pour avoir les bonus damage. Ah, bah, je les relance alors. Voilà. Ah, bah, d'accord. Comme ça qu'on fait, Quartz. J'imagine la gueule du truc, genre un coup d'épée, un coup de bouclier. Flash punk. C'est ça, t'es arrivé, t'as fait la TP. Ouais, bah en attendant, je les ai retenus, t'as qu'à m'appeler Monsieur Quartz. Le Monsieur Quartz. Allez, Silver, tac, un petit béni en plus. Ren, cette fois-ci je vais prendre le 7. Ouais. T'as un nouveau tour ? Oui. Attendez, je suis combien ? Oh, le bugeot. J'ai un bugeot. Parce qu'en fait, le sort ça se calcule par rapport à moi. Petit chat, 3 vilains, petit fripon. Allez. Nuit, sans un bruit. Ta gueule. Merci. Merci Loupi. De rien. Alors du coup j'attaque les trois là. Trois qui sont contre moi. Vas-y. Donc. Ok. Ah merde, attends. J'avais pas des bonus à rajouter. Plus 2, donc t'as plus 4 à rajouter normalement. Ouais, plus 2, moins 2 parce que t'es encore un peu aveuglé. Et plus 2, donc t'as plus 4. Ouais, donc là ça devrait être 12 en fait. Ok.
Ça commence par la petite ombre. Tu fais les deux d'abord sur les la petite ombre et après sur la troisième. La je vais essayer de faire ça. Ouais. Ok, toucher. Allez, Yumogoi Tata Edith Sao. Touché. Dégâts. Premier dégât. J'ai des bonus sur dégâts en fait. Plus 4. Plus 4, c'est beau. C'est beau les bijoux. Donc ça c'est la première ombre. Ça c'est la deuxième. C'est mort. Et ça c'est Mother Fucking de Big Ombre. Je relance. C'est nul. Je relance parce que c'est nul. Allez. Avec un plus 4 s'il te plaît. C'est mieux. Pas mal, 22, bien. Ça le secoue. Bien, ça le secoue. Ouais, non, ça lui fait un peu plus que ça quand même. Il est éternu. Il dit aïe. Aïe. Ça va pas, ça pique, je vais te faire un bronze. Vraiment, votre ça fait pas 30? Ça fait 30? J'ai 8 de bonus damage. Non, t'as pas les bonus damage, non. Pourquoi? Parce que ça fera suffisamment. J'ai fait 9 et 9. Ça fait 15 pour le toucher. Eh ben, c'est pas assez pour les bonus damage. Bah non, bien sûr que non. Il faut combien pour les bonus damage? Ça dépend du truc en fait. Ça dépend de la parade de la personne. Il faut que tu fasses 4 de plus que la parade. Et comme je l'ai dit, il est en mode défense. Ah non, il est pas en mode défense, cela dit, c'est vrai, t'as raison. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Non, c'est vrai, qu'il avait attaqué, donc il est pas en mode défense. Du coup, ça fait 30, je retire ça. Ça lui fait mal. Ça lui fait que je divise ça par. Ça lui fait 4 blessures. Yes! Je dis oui. Yes. Et c'était un bro bien investi. Et j'avoue. N'oublie pas de lancer ton dé d'aveuglement. Oui. Le désaveuglement. Il a pris 4 blessures, mais il lui en reste 40. Non mais il est quand même passé de 0 à 4 blessures. Et ça, GG. C'est beau. Bah tu peux. J'ai pas de bonus hein, pour la vigueur. Ah, plus 2 parce que t'as le Joker. Ah bah oui, c'est vrai. Oh, c'est tellement bien le Joker. Tu n'es plus aveuglé. Je ne suis plus aveuglé. Tu le vois. Oh mais t'es moche en fait. Relevez-moi la vue. Il est moche. Non. Il est moche, je veux pas y aller. Silver, là, il est juste en train de gueuler à la Wolverine, c'est tout. Bon, celle-ci n'arrive pas à se restabiliser. Celle qui est contre Butch, le tout. Butch à terre. Putain. Une qui attaque down, raté, et deux qui attaquent exotique. Non, mon mal! Deux qui touchent exotique. Exotique par terre. Oh merde. Bon bah, c'est cool, hein. Bah. Un plus d'exotique? Je suis désolé, ma chérie. Bon, je m'en fous. Un fumble? Il a fait un fumble sur la vigueur, il a été one shot. Attends, en plus tu peux doubler la distance, donc techniquement tu peux faire du 44 mètres. Putain, toute la distance que tu peux taper en un tour. Quelqu'un vient de mourir. Ça, en plus de courir. Non mais quelqu'un vient de mourir, tu peux éviter de te marrer. Merci. Le tour des terrestres. Triste. Restabilise pas. Et c'est le seul terrestre qui reste. Ah non, il y a celui-là. Et lui n'arrive pas à attaquer. Chéri. Bah super. Ah, il est derrière un mur, t'as pas vu. Oui, j'ai pas vu, je sais bien, de toute façon c'est loin.
En vrai, est-ce que je vois qu'eux, ils gèrent ou pas trop? Et lui, il a pas tapé, là? Il a pas encore joué. C'est pas son tour, encore. Mais il a essayé de... Ah oui, pardon, ils sont après. Il a perdu sa lance. Alors, pas très loin, d'ailleurs. Je vais faire plusieurs trucs. J'ai déjà essayé d'aller taper ceux-là. Mm-hmm. Et ensuite, je dasherai pour aller repêcher les deux qui sont tombés. Ok. Donc ça me fait du combien de moins, là? T'as pas de moins en soi. Ok. Et tu vas juste me faire le dé d'allure. Je le fais après? Tu le fais avant. Ah, ok. Attends, pardon. Je retourne là alors ou ça compte comme parmi mes 10? Tu reviens là, tu fais ton mouvement, tu lances ton mouvement. J'ai pas touché à mon dé, alors je sais pas, faut que je fasse par deux là? Attends, là tu viens de lancer les 10 cases. 10 cases, bah tu peux faire 40 mètres, donc oui, donc tu te déplaces. C'est ouais, 6 mètres, donc, tu les attaques et ensuite ça sera. Oui, voilà, bah c'est ça. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai chié, mais oui, c'était ça. Bon, c'est pas grave. Donc, pareil, coup de bouclier, coup d'épée. Nul. Et nul. Bon, bah, je m'en vais. Donc, t'as deux attaques d'opportunité. Ouais, ouais. Il y en a un qui... Ah bah non, t'as compris. non, les deux loupes. Ouais, donc, contre-attaque aux deux. Avec l'épée. Voilà. Ok. Appu. Et la deuxième. Ok. Ok. Ça touche. Et là, ça va. Donc tu peux aller plonger pour aller chercher les autres. Tu n'arriveras pas à les récupérer tout de suite, mais au moins tu pourras les aider à... Ouais, je me mets là. Ouais. Alors. Pas me faire chier, moi. Il est même pas secoué, l'autre Jack-Lo, là. Même pas. Dommage. Bon, au moins, je lui en ai débarrassé d'un. Alors... C'est au milieu du vide. T'avais qu'à écouter. Oh. Silver. Oui, je... Tu es entravé par des lianes d'ombre. Ah, super. Oups. Je peux rien faire contre. Ça sera à ton tour. Tu pourras essayer de t'en débarrasser. Pizzle. J'ai failli redire trois fois. Fizzle. Alors, si le bouquin veut bien arrêter de bugger pour voir est-ce que combien coûte le sort téléportation. De tous les PNJ qu'il y avait, c'était le mien qui est mort, quoi. J'avoue, ça me fait de la peine. Ouais, c'est ça. J'aurais pu relancer. Je peux pas relancer les femmes. Oui, mais vous savez que les MJ trichent. Quoi ? Hein ? J'ai rien dit ? Mais qui sait, peut-être que je trouverai une solution pour le ramener. Non, merci. Et après, il va falloir se battre contre lui, tu sais. Non, mais il est pas vraiment mort. Elle va revenir, hey, je peux vous proposer un deal. Ok. Oh, mais quelle bonne idée, monsieur. Je crois que je vais faire ça. Si je me calme là. Ok. Et là, ça me fait assez. Ok, je vais faire ceci. Je vais courir jusque là. Je vais caster téléportation pour me téléporter ici. Téléportation, c'est 24 mètres. Ouais, c'est ça. 24 mètres. Et puis, je vais terminer ça. Et je vais soigner celui-là. Ok. Moins 2 sur la TP et moins 2 sur le soin. Ouais, moins 2 sur la TP, moins 2 sur le soin. Exact. En tout cas, merci pour ton boost, Lucky. De rien. I'm fresh. I show you lightning. Donc... pour utiliser la TP, c'est avec
bricoleur de génie. Est-ce que j'ai noté la définition de bricoleur de génie? Non, parce que je suis un teuteux. Parce que c'est pas le sort que tu as, c'est... Ah mais tu l'avais déjà préparé à l'avance. Mmh. Alors attends. Je sens que c'est moins 2 du coup, je vais essayer de... Je crois que c'est ça, ouais, attends, je retrouve. Putain, c'est où ce bordel de merde? Moi cette musique là, elle me saoule aussi. T'as 3 musiques de combat, chérie? Non, on est plus. Bah maison que t'as jamais mise parce que là... Côté épique à cette musique. Moi j'aime bien. Bon, bricoleur de génie. C'est où ça? Bon, bricoleur. Moins 2, on est d'accord. Moins 2. Moins 2 pour le faire. Moins 4 du coup. Ouais. On va croiser les doigts. Ça marche. Donc, si mon navigateur veut bien arrêter de bugger. Ok, donc je me déplace là. Je me TP 24 mètres, donc ici. On va directement à côté de Silver. Hein. Oui, oui. Et je le soigne. Ah, moins 2. Je te soigne. Soigne ses 2 blessures. Et une je sais plus s'il est censé être secoué. Voici, il est plus secoué. Est-ce que ça enlève mon malus aussi en force? Oui. Oui. Mais bon, tu es toujours entravé. Oui, mais ça peut servir. Raté. Tous ratés. Tous les Pégases ont raté leurs attaques. Alors. C'est parti pour la fleurie de contre-attaque. Fizzle. Il peut pas sortir du corps à corps. Tu es entravé. Ah putain, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait entravé, si je peux pas l'empêcher de bouger. Try my bitch. Elle met un coup de tête et le one shot. Donc j'ai pas de temps, donc j'ai plus de parade. Ça te fait combien en parade? Ça me fait 5 de parade. Excuse-moi. Je suis désolée. Ouais, j'ai mon bâton, j'ai plus de parade, on s'attend à un truc de ouf. J'ai 5. Ça me fait plus de parade. Ah putain, c'est bon. Alors attendez, c'est le. Fizzle a 2 fois son truc, mais il est où son clone? Il a pas disparu? Non, il s'est fait vaporiser déjà de quand même. Alors donc, du coup, tu vas avoir mal. Alors, ça fait 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Perceur. Ça tombe bien, j'ai pas d'armure. On ne souffre pas du perceur si on n'a pas d'armure. Bah, il y a la carte courte chance. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a une autre carte. Ouais, parce que comment dire qu'avec mes 4 de résistance, je vais pas aller loin. Ah bon? Ou alors tu prends le coup pour l'équipe et tu nous laisses la carte pour plus tard. Horrible. Non. Attends, je peux voir que mes cartes et les cartes de Loupi là. En fait. Ah ouais. Moi je peux voir que mes cartes donc. Coup de chance, c'est quoi déjà? Ça annule les dégâts subis d'un joueur. D'un joueur? Bah, d'une attaque. D'une attaque, ouais. Jouer cette carte pour annuler complètement les dégâts d'une attaque réussie sur un personnage. Donc par exemple, tu peux pas l'utiliser si c'est genre quelqu'un qui perd un molotov et que ça te tombe dessus.
c'est que... Est-ce que j'aurais besoin de... J'aurais besoin d'afflux de pouvoir, en fait. J'aurais besoin de... Putain, ça fait chier. Mais si tu meurs, tu pourras pas l'utiliser plus tard. Oui. Attends, quelqu'un d'autre peut pas... Ben non, non, c'est forcément celui qui a le... Non, personnage. Mais c'est juste que moi j'en ai déjà utilisé une, il me semble que. Bah, il me reste. Il y a... Non, moi j'en ai pas encore utilisé. Mais je peux pas. Et Golden. Mm. Bah, je vais l'utiliser. Ma transformation en dragon attendra. Donc je l'utilise. Ok, bah tu ne prends pas les dégâts. Je sais pas qui c'est qui avait la carte, donc... Je sais pas. C'est moi. Je la pose. Ah, voilà. Maintenant, deuxième attaque, allez. Non, il y en a qu'une seule, je suis sympathique. Raté. Mistral. Nul. T. Quoi, est-ce que tu te restabilises même pas? Wartz. T. Soprano. Vous êtes mauvais. Ok. Un ou deux. Ah, il y en a un qui touche quand même. Et qui tue. Voilà, c'est bien. Et l'autre qui tire, elle sert à rien. Attends, mais dedans, je vais pas encore jouer. Elle tire. Touche. Et tu. Les deux là-bas. Et ici. Là, ça va tirer. Là-bas, ça loupe. Et serrer la biche, va tirer sur le. Sur le terrestre. Grand terrestre d'ombre. Ça n'a qu'un seul qui va toucher. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça. Ça le secoue. Il reste de là. Hop, j'ai oublié. Hop, ils vont tirer. Je crois que ça fait un moment qu'ils jouent. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ils avaient peur, ils sont cachés en se tenant en mode. Et les deux là-haut? Lesquels? E2. Enfin, E3, pardon, E2. Je les ai fait jouer. D'accord, pardon. Bon, on est d'accord que là, je ne vois pas celui-là parce qu'il y a le mur, il n'est pas dans le bon angle. Mais celui-ci, je peux. Je pourrais là aussi. Si tu veux mon avis, je te conseille les licornes parce qu'il y en a pas mal et ils sont tous tombés là. Mais c'est qu'il y a plein de murs, donc je vais devoir me déplacer. Oh, tu voles. C'est ce que je voulais dire, c'est que je vais me déplacer. Juste pour terminer le tour des PNJ, vous aurez entendu le plouf, enfin. Du coup, ils sont morts là. Bah, pas forcément. Une chute comme ça, c'est vrai que je devrais faire des dégâts, mais moindres. Je vais m'envoler en l'air de 2 mètres, ce serait suffisant pour voir les licornes qui sont derrière les murs. Faudrait plus. Ok, bah, le minimum. Je pense que même le must, faudrait que tu sois là, ça serait plus rentable. C'est parce que si je vais là, bah, tu peux y aller sans. J'ai quand même le mur là. Ou que tu te mettes là. Bah, tu te mets sur le mur sinon. Sur le mur. Ouais, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais voler. Tu joues à chat perché. Chat perché. Sur une paroi comme ça, même si tu y restes, je prendrai pas le tireur d'hélice. Ouais. 1, 2. Et le troisième là-bas. T'en prie. Tchouf. Donc moins 2. Moins 3. Oui, moins 3. Moins 4. Moins 700. Touché. J'ai. Prends la vache. Oh, ouais, d'avoir plus 3 au tir. J'avoue. Les dagas.
Daka, Daka. C'est ça, je joue. Je fais les Daka. Je vais utiliser un Benny pour relancer. Quoi que... pas sur celui-là. Celui-là, non, c'était celui qui était déjà blessé. Voilà. Le deuxième. Mort. Et le troisième. Mort. Yes. C'était celui qui était ici que j'avais. Pardon. C'était 1, 2 et 3ème là. Je me suis dit, il est KO et ainsi, c'est plus lui pour les deux. Mm. Mon pauvre amour. Et là, je vois le drame. Tu vois le drame, ouais. Mais je suis encore dernière. Attends, Ruru. Mm. Je vais claquer un béni pour essayer d'avoir une meilleure carte. Okay, je te tire la carte. Elle est meilleure. Je reprends mon béni. Elle est meilleure, mais ça change pas la possibilité. Vous avez chié. Ah, c'est la pire douille, ça. Ok. C'est vraiment... Tu sais, je foutrais un billet de vin dans l'évier et dans l'eau, ça ferait pareil, tu vois. C'est à peu près la même chose. Black et vénère. Down. Et... Tais-toi. Ok. Hop. Enfin, Mistral bute son Pégase. Bah, quand même. Lui, il loupe. Lui se restabilise enfin. Ok. Ok. Ça. N'oublie pas encore cela. Hein. Oh oui. Lui, bah, elle est là. Et lui, tirer sur le Pégase là-bas. Toucher. Couler. Lui, j'ai dit qu'il s'était restabilisé. Ouais. Pas lui. Maintenant. Lily. Faire une nouvelle blessure au gros. Ah. Oui, il va courir. Rater son soin. Il va courir. Rater son soin. Mais enfin, l'élite. L'élite. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit. Bah, en soi, on le dit, on rigole, mais mine de rien, on était en sous-d'ombre et ça s'est bien passé, techniquement. Mm-hmm. Pour l'instant. Et donc là, double deux attaques sur le pro. Alors, 7, 8, 10, 13. Et l'autre. Ça suffit pas, les deux attaques ne lui font rien. Ok. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de terrestre. Ça, Sizzle. Écarte-toi du bordel. Ah, bah Fizzle, elle va lui blaster la gueule à ce connard. Elle va lui blaster la gueule à 3d6 de dégâts. Ok. Et ensuite, elle va se barrer du... Et ensuite, elle va se reculer. Ok. Tac. Va lui tirer qu'une seule fois. Bien joué. Le 11, bravo. Alors, on rappelle que tu es au corps à corps, donc ça ne prend pas en compte la parade, pas le 4.
Bah, ça fait un petit 7 dégâts, bah, ça suffit large. Il disparaît. Parfait. Et dire que j'étais prêt à t'enculer. De quoi, si jamais je voulais sortir du cac d'abord? Non, si t'avais fait moins de sa parade, il t'aurait juste contre-attaqué la gueule. Puisque t'étais à son cac. Oui, j'avais oublié ça. Mais bon. Bah du coup, je vais rester à côté de Silver. Mais je vais le tenir. Même chose pour l'autre, il s'envole dans un nuage de fumée. Je les imagine s'envoler en mode mange-mort dans Harry Potter. Kin. J'ai essayé de tirer sur les deux qui restent, mais si j'ai langue pour celui-là aussi. La langue pour l'avoir, lui. Ok. Donc, toujours là, ce sera à moins 3. Vu que c'est deux tirs, c'est pas moins 4. C'est moins 4. C'est moins 2. Moins 2 pour deux tirs. Oh là là. Et c'est qui le deuxième que tu vises? Le deuxième qui reste. Ah oui, le Pégase. Ok. Vas-y, fais ton tir. L'élite. Crawl des Elite Damage. Oh. Ah, dommage. Oh. C'est triste. Tu relances pas? Je vais en relancer sur. Je coule le premier en tout cas. Lequel? Le bleu? Lui là. Ok, mais l'autre, je vais reroll. Mais. Dommage. Final total déjà joué. Silver. Alors, il faut que je fasse quelque chose contre l'entravement. Athlétisme. Sachant que tu es considéré comme étant distrait quand tu es entravé. D'accord. Et je fais quand même de l'athlétisme. Ah, donc athlétisme en étant distrait. Ça fait un malus? Bah, normalement, tu coches le distrait, oui, directement le moins 2. Ah. Et j'ai fait 4 moins 2. Ça va pas le faire. Et il reste longtemps ce sort? Jusqu'à ce que tu te désentraves. Ou quand tu libères. Je peux le faire qu'une fois par tour en plus. J'aurais dû tirer dans les entraves en même temps. Je vais relancer une fois. Ok. C'est là, il faut que j'essaie de libérer parce que. Mais attends, j'ai lancé athlétisme. C'était athlétisme, c'est bien ça? Oui. Athlétisme ou force moins 2. Ah bah alors, c'est force. Force moins 2? Oui. Clairement. Sauf que force moins 2, avec l'autre moins 2, ça fait force moins 4. D'accord, j'ai rien dit. Il a fait combien? Il se libère, il a fait 9. MJ de peu de fois. Ah nickel. Voilà, du coup, je n'ai plus vu le truc. Et j'essaye d'aller au contact de l'autre. Donc. Je peux pas? C'est un dôme. Je frappe. Je frappe le dôme. Marteau. Oui. Le marteau avec la frénésie, mon gars. Bonk. Marteau piqueur. Je le considérais que contre les ennemis vivants, je crois. Ouais. Alors, j'ai plus 2 pour casser quelque chose, du coup. Plus 1 parce que c'est un... Parce que c'est... une arme fétiche. Donc non, ça fait plus 3. Ça augmente pas les dégâts. Le plus 2, c'est pour les dégâts. Ah oui. Casser des choses, c'est pour les dégâts. Plus 1, si, ça fait quand même plus 3 parce que l'attaque totale. Je suis enragé. Les attaques totales ne marchent pas sur les objets. Okay. Ah, merde. Mais j'oublie à chaque fois. Bon, plus 1, du coup, seulement. Plus 2, vos dégâts. Ah oui, putain, c'est vrai, j'ai marteau pour casser. Je suis con aussi. Plus 2. Oh! Ça suffit? Oui, il suffit juste de faire 4.
il n'y aura pas de dés bonus puisque c'est un objet. Et les dés n'explosent pas. Oui, bah du coup, après avoir. Parole des mages. Ah bah écoute. Une déçoit Mjolnir. Ça suffit pas pour casser le truc du coup. Non. Dommage. Thierry, tu atteindras les deux autres qui ont fait plouf et qui ont la tête hors de l'eau. Tu les entends, en gros. Sachant que je pense qu'en volant, j'ai rongé mon épée et mon bouclier. Il y a toujours la corde que tu as pu suivre, si jamais. Bah, je les chope pour les remonter. Vite. Ok. Go fast. Il me reste deux tours avec celui-là de go fast. D'ailleurs, bah, tu as un malus de. Si tu portes les deux, je prends en compte que tu as un malus en vitesse. Mais bon, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles vu la vitesse que tu as? Tu peux me faire un jet d'allure. M'en bats les couilles! Mais tu es! Pardon. L'encombrement. Il y a le vent dans leur bouche là. L'encombrement, c'est quoi ça? Ça me ralentit? Non. Si ça la ralentit. Tu vas les utiliser. À quelle vitesse du son? Tu peux les poser sur la bordure que tu veux. Déjà, en sortant du trou, je regarde un peu ce qui reste. Bah, il reste plus grand chose de ton exotique. Attends, on va dire que je l'ai pas encore vu. Je vois surtout les gens qui se battent et les ennemis. Donc, je pense. Ils ont du soin, eux ? Ceux qui sont avec toi, oui. Ouais, non, mais c'est bon, il y a tout le monde là-bas. Je vais les foutre là. Et moi aussi. Ok. Est-ce que j'ai fini mon tour ou est-ce que je peux encore essayer d'aller taper ce truc-là ? Je peux t'autoriser à aller jusqu'à frapper le machin. Ok. Le dôme. Frapper le machin. Riii ! Ça touche et lance juste les dés de ça n'explose pas. Hein. Mm. Et on prend pas les bonus des mèches. Allez, bats-toi, sale pute! Quard! Hop là. C'est mieux ce soir, j'ai l'impression. Elle va nous refoutre dans le trou! Oh putain! Oh non! Ça fait oui! Tous rodards! Regarde-moi le dé! Ok. Vous êtes tous, non pas entravés, mais immobilisés. Oh putain! Non mais. Distrait, vulnérable, immobilisé. Yes. C'est vraiment de la merde, enchevêtrement. Ce sort est une abomination. C'est ça. Gif Kamiloki avec l'escargot qui a une fusée sur le dos. Piou. C'est parfait. Alors, elle se restabilise pas. Lui. Touche. Et secoue Thunder. Nouveau tour. Silver. Bon bah le jet de force ou de le jet de force moins 2 ou athlétisme. Force moins 2. C'est force moins 2, c'est mieux. Et tout à l'heure, en fait, j'aurais dû récupérer mon béni, tu m'avais pas parlé de la force moins 2. C'est des informations mensongères, monsieur, mais c'est pas grave, c'est trop tard. Des informations omises. Tu passes entravé. Ah ah, ça fait quoi? Bah, ça fait que tu n'es plus immobilisé, que tu es entravé. Ok, bah je refrappe. Non, t'es entravé. Techniquement, il peut. Ah, on peut, ok. Il peut frapper, mais toutes les actions sont à moins 4. Il peut juste pas bouger. Et en plus, il est distrait. Donc, moins 2. Vas-y. Allez,
Allez. Loupé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est El Marto. Il va faire bong. Il va faire bong. Et alors, on va faire comme ça. Ça va. Bon. Ah oui, non, mais c'est de la bombe. Je relance ça. On va pas aller là-bas. Bon, ça va, il est juste derrière toi. Mais il va falloir que tu te désentrades pour le choper. Ah oui. Sors de là et viens de se battre, saloperie. Il nous fait encore ça. Ouais. Ouais. Sauf que là, c'est pas le même sort. C'est une explosion. Putain, du coup, on peut pas faire de G pour s'en échapper. Ah non, sinon ce serait pas marrant. Mais attends, parce que... du coup, eux deux, ils ont pas joué. Bah non. Parce que bon, bah je les ai ramenés quand même, ils auraient pu faire un truc, je sais pas. Bah ils ont nagé dans leur tour, quoi. Ouais, super. Mais attends, ils ont passé trois tours en bas et ils étaient que en train de nager. Ils ont essayé de dormir. Enfin, déjà, ils ont passé un ou deux tours à chuter, puis de nager. Ils ont essayé de retrouver la corde dans le noir. La taille du trou, quand même. Au bout d'un moment, il n'y a plus de lumière. Alors, Fizzle, tu vas pas aimer. 18, 19. On n'a plus de cartes pour allumer, annuler. Je pense pas. Non. 19. Attends. Je compte. 19, 20, 30, 31. Alors, si je fais au grand mot, c'est quoi? Tu peux récupérer une carte, mais, voilà. Mais ça veut dire que personne ne pourra la jouer. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il n'y a que toi qui peux jouer une carte maintenant. Ouais, c'est ça. Bon. Bah, tu pourras récupérer la carte, mais personne. Ouais, mais ouais, ça sert à rien. Quelle carte? Au grand mot? Dommage. Utiliser au grand mot pour récupérer une carte dans la défaut, c'est faire des trucs. Du coup, t'as dit 31? Oui. T'as des bénis? Ouais. Parce qu'avec mes 4 de résistance, je vais pas aller loin. Oui. Défaillance mécanique et... J'ai une question sans vouloir te vexer. Mm-hmm. Non mais pour le qui... T'as 4 de résistance, pourquoi tu vas au CAC? C'est pour soigner. J'allais sauver Silver. Et il vous laisse transformer en dragon après aussi un moment. Mais il a pas pu. J'ai pas eu le temps. Merde. Et en fait, je pensais faire pendant ce tour me transformer en dragon en utilisant justement les deux bénis pour me remettre des PP. Je cherche s'il n'y a pas un moyen de gruger avec une carte. C'est ça que je voulais garder aussi la flûte de pouvoir. Mais c'est pas grave. Donc, je vais claquer un béni. Hein. Parce que sinon. Ah, sinon t'es mort. Je vais claquer un béni, je vais pas aller loin. Ou alors, c'est qui devait utiliser une carte en dernier? Moi, il me reste une carte à utiliser, mais je sais pas quoi. En fait, je vois pas vos cartes, donc... Techniquement. Ouais, mais c'est vraiment énormément. Si tu utilises tous ces dernières lignes maintenant, et que tu réussis à lui faire suffisamment de dégâts pour l'empêcher d'utiliser le sort, mais vraiment, c'est des si et des si là. Mais je peux pas, je suis entravée de toute façon. Oui, je sais, mais c'est sûr que t'aurais eu un tour en plus pour, imaginons, te désentraver et mettre une attaque. Mais tu sais, il y a tellement de paramètres. Bah, faut qu'elle se désentrave. J'aurais dû le faire avant, j'ai pas pensé à cette carte. C'est pas grave. Techniquement, tu peux l'utiliser quand tu veux. Oui, mais c'est trop tard. Tu encaisseras 2 blessures, plus pas qu'à 2 blessures. Donc, les 4 derrière, bon, il faut que je fasse leur jet de vigueur.
Alors, hémorragie, hémorragie, sont tous en hémorragie. Silver. Oui. Alors, donc, 10, 10, 19. J'ai 13. Deux secondes, il n'est pas fini de compter. 19, 23, 28. Avec 13. Ça fait 15. Ça fait 15. 15. Ouais. Pour 15. J'y ai pensé. 15. Je crois que ça. Alors, un dégât près, t'étais one shot. Ça fait 3 blessures. Non, en fait, la licorne, elle va tous nous one shot, ça se passe comment? C'est ça, mais on va tous mourir. Au moins, il n'y aura pas besoin du boss final. C'est ça. On est mal barré. Hein? Après, l'avantage, c'est que je ne suis pas techniquement. Ah, il faut que je tire sur le tableau des blessures encore. Je veux pas tenter d'encaisser? Tu t'en vas vraiment les couilles. Je vais encaisser parce que je peux pas faire ce... je peux pas faire autrement. Ouais. Je peux pas faire autrement. C'est vrai que j'avais oublié qu'il me restait un béni. Je vais encaisser. Allez. Non, mais c'est sérieux là. Pourquoi j'ai un moins 2? Mais les blessures. T'es distrait. Ouais, prends pas en compte le distrait. Tu encaisses une blessure. Ok, bon bah je suis au moins à 2. J'ai vu 3, j'ai déjà ça. Et. Thierry. C'est toi qui t'en sors le mieux avec un 14 dégâts. Je suis censé compter quoi de ma résistance là? Parce que. Bah... Le 9 ou le 6? Bah, tout. Le plus gros chiffre. Attends. Normalement, c'est censé être le. Regarde. Oui, c'est ça, c'est le 9. Ok, bah 9. 9, 14 moins 9, ça fait qu'une blessure. Ok. Je la note quand même, vu que je suis censé l'ignorer. Oui, oui. Oui, oui. Ok. Et tu tires quand même sur la table des blessures. Ah, oui, c'est vrai, pardon, je l'ai pas fait. Faut que je tire aussi, moi. Oui. Ça fait quoi, bras? Ça fait que des armes à deux mains, ça va faire très mal à tes... à tes jets. C'est pas vrai! Je reviens, je vais rager. Je t'en prie. Déjà, Fizzle, ça se désecoué. Voilà. Déjà, elle se désecoue. D'accord. Et ensuite, on est d'accord que quand je suis immobilisé, je peux utiliser de magie. Ouais, c'est ça. Il faut que je fasse soit athlétisme, soit force. Force moins 2. Écoute, on va tenter, hein. Moins 2 parce qu'il faut compter le distrait ou juste non, moins 2? Non, force moins 2. Ou athlétisme. Ou athlétisme? Bah écoute, je vais prendre athlétisme. Parce que c'est pas athlétisme moins 2. Bah écoute, je perds mon tour. Alors, Valitor. Non, c'est pas. Elle rate. Elle se restabilisée et elle a raté. Chéri. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me... Athlétisme ou force moins 2? Bah pour me dédistraire et compagnie, il faut pas que je fasse un jet d'âme d'abord. Ah oui, te désecouer, jet d'âme, oui. Mais tu resteras secoué, enfin tu resteras vulnérable et distrait tant que tu seras immobilisé. Okay. Bon, donc c'est bon. Je peux faire mon jet de force. Force moins 2 ou athlétisme. Oui, je sais. Donc, mon jet de force. Je te rappelle qu'avec athlétisme, tu as une relance gratuite grâce à Acrobat. Ah, c'est vrai. Oui, mais j'ai moins d'athlétisme. Bon, je vais quand même faire athlétisme. C'est trop tard, j'ai fait force. Ah, c'est bien,
Non, c'est bien, ça, si tu passes entravé. Je peux faire quoi? Tu peux essayer de taper le machin. Je peux essayer, en fait, je peux essayer de couper les ronces. Enfin, les lianes. Ou c'est magique et on peut pas. Cela dit, c'est censé être une action d'essayer de se libérer. Donc, si c'était une action, ça veut dire que si tu voulais faire autre chose, ça aurait été moins 2. Entravé, tu peux agir. Ouais, mais c'est mon dernier tour de Go Fast! Ouais, bah tu pourras pas faire grand chose de plus, malheureusement. Après, bah ça fait une double action. Si j'attaque. Oui, mais si tu fais double action, techniquement ça fait moins 2 aussi sur le jet de se libérer, tu arriveras pas. Bah non, puisque je suis en Go Fast. Oui, elle annule. Ça annule le truc de. Oui. Du coup, bah tu peux faire une action, mais bon, comme t'es entravé, c'est moins 4. Je peux pas réessayer de me réentraver complètement? Ah, tu peux. Ah bah voilà. Donc cette fois, je fais athlétisme. J'ai pas de malus. Comme ça, si je fais de la merde, je peux relancer. Ouais, athlétisme, bah, c'est bon. Tu peux... Tu es libéré. Ah aïe. Et c'est, pas ton dernier tour, Lobby. Si. Le tour prochain. Ah, ok. Bon, je peux plus rien faire, là, je suppose. Et techniquement, Fizel aura juste à dépenser un PP en plus pour que ça dure 5 tours en plus. Oui. Enfin, elle doit plus en avoir beaucoup des PP, la pauvre. Et tu peux te déplacer du coup au passage. Je vais aller là. Et je te laisse te retirer le cadenas. Ah oui, pardon. Non, pour qui le cadenas? On a besoin d'aide! Kin. Déjà, je vais me déplacer pour être à une meilleure distance. À côté d'Exotique. En me disant que ça va, il est que blessé, évidemment. Le truc, il est en bouillie sur le sol, il est que blessé. Bah, il est pas en bouillie, mais il a un gros trou dans le bide. Non, bien sûr, c'est une illusion. Je suis à distance courte, toujours. Parce que je peux pas vraiment faire grand chose à part tirer dessus et espérer pour le mieux. Je dois juste réussir mon jet de tir et... Oui. L'arc long, il a du PA en plus, il me semble. Non. Enfin, je pense. C'est juste qu'il tire plus loin, il me semble. Il me semble qu'il a un PA. Il me semble qu'il a un ou deux de PA. Je l'ai pas compté. Alors, je regarde. Arc long. Ah oui, il a un de PA. Je l'avais pas noté. C'est bien ce qui me semblait. Donc du coup, tu peux faire les dégâts non explosifs. Dommage. 6 et 4. Ça, je crois, c'est ça les dégâts. 6 et 4, ouais. Donc 10 avec un PA. La barrière se brise. Et en deuxième fois. Mais j'aurais dû te dire avant. Ah, mais non. Merde! J'aurais dû jouer la carte pour faire un deuxième tour. Mais là, tu peux le faire. Tu peux le faire. Bah, je le fais. C'est ce que j'allais dire. Vas-y, utilise la carte. Et comme je suis encore en Gova, je peux faire des doubles actions. Oui, voilà. Donc, tu optimises. Donc, j'ai essayé de soigner les deux. Enfin, de les stabiliser, en tout cas. Donc. Amaryllis. Pourquoi il y a... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais. Ah, parce que t'es encore distraite. Ah oui, pardon. Donc, ok, ça, donc c'est stabilisé. Et l'autre Gérard. Voilà. Les deux sont stabilisés, parfait. Ils ont même pas une blessure de soigner? Là, c'est la stabilisation. Tu as stoppé leur hémorragie. Ok. Et c'est des soins magiques qui pourront les relever, malheureusement. Ok, bah ce serait bien que nos alliés se manent le cul de se ramener. Ils vont arriver. Plus vite! Alors, va le Pégase. Il est toujours tout seul, lui. Thunderstrike à terre. Et en hémorragie. Quoi? Putain, mais ils sont même pas foutus de tuer une pauvre ronde Pégase, hein, l'élite. Il a tenu quand même vachement. L'élite! Il aurait pas dû tenir, il aurait dû les buter! Ça?
Ah oui, Thunderstorm. C'est pour ça que moi je me suis dit c'est bon, ils sont à plusieurs, je vais pas. Bah oui, moi aussi. Hein. C'est là où on bat les boss, mais la dernière ronde, c'est... elle maîtrise le pied de Vodao et le métro. Alors. La madame, elle va tirer, toucher. Saloperie de saloperie! Bah, combien de résistance? Donc ça fera pas grand chose à l'ombre. Ce risque là va arriver. TP ici. Stabilisé. L'autre risque TP. Stabilisé. Yes. Dromel. La Mamera. Va lancer un sort. Pas grand chose en dégâts. Blue Circle. Relève Pinette. Lui se restabilise. Ils vont se déplacer tous les deux, ces deux-là. Il y en a un qui va se TP, mais pas l'autre. Il va essayer, mais rater. Et tenter un blast sur. Quoique, il ne va pas se taper ce TP là, vu qu'il a vu que. Se taper là plutôt. Blast. Pas grand chose en dégâts. Phaser. Va tirer à l'arc. Pas ouf les dégâts. Down. Black touche. Yash. Boum, plus de licorne. Et je crois qu'on est bon. Mais il n'y a plus de licorne de ce côté-là. Fizzle, t'as joué, il me semble. Oui. On distribue les cartes. Ah, je dois mélanger, il paraît. Je vais. Attends, là, c'est quoi la bestiole qui apprécie le Pégase, on est d'accord? Ouais. Je vais jouer après Chéri. Je vais prendre le 6. Comme ça, elle a un tour supplémentaire de côte à côte. De go fast. Ok. Donc, le Pégase. Comme ça, il loupe. Un Black Bloom. Et les autres. Alors. Tiens, mon chat. Ça tue le Pégase. Tandis que Tarv va se précipiter pour essayer de soigner Fender. Soigne Fender, il n'est plus en hémorragie. Ça, c'est des gens qui prennent soin de leur équipe. Mm. Oh là là! On n'est pas d'accord. Ah, oh, mon bébé! Risky. Relève les deux autres.
là. Tout ça. Les deux autres. Relève les deux autres. Mais il n'y a personne pour nous désentraver. Ah oui, c'est vrai que vous êtes entravé. Bah en même temps, soigner les autres, c'est un peu plus... D'un côté, ils nous connaissent pas, donc... Non, mais même au moins, ils soignent, comme ça, il y aura plus de monde, non seulement pour occuper la licorne, mais aussi pour vous désentraver. Donc regarde, ça suffit. Miaou. Miaou. Quel chieur. Elle va aveugler l'ombre. C'est bien. Est-ce que ça va suffire? Viens là. Lili. Le pipi. Rater son tir. Lili, c'est une tourelle. Hein. Elle ne bouge pas. Bah, en fait, si tu veux, elle utilise l'épaule de Red comme soutien. Pendant que lui, il a son bouclier. C'est leur strat après. Hein. Il lui sert de maintien. Et eux, ils ont été stabilisés ou pas? Ils sont stabilisés, mais ils sont... Enfin, ils sont plus en hémorragie, mais ils sont toujours au sol. Ok. Et bah justement, tiens, Sunny va arriver. Butch. Butch est debout. Chérie. Alors. Premièrement... J'ai oublié de faire attaquer. Ah non, si, je les ai fait attaquer les deux. Ils avaient raté. Je vais avancer près de Silver pour essayer de le libérer. Ok. Et ensuite, j'irai attaquer la grognasse. T'as toujours ton bonus de. Oui. Ton bonus, hein. C'est pour ça que je fais une double action. Donc. Les rôles damage des qui ne sont pas censés être explosifs. Oh putain! C'est dommage. Mais bon, je vais prendre en compte que ça les casse. Très bien. Et tu n'es plus entravé, tu n'es plus immobilisé. Silver. Donc je vais attaquer Grognasse. J'aurais pas pu faire 33 sur elle! Oui! Là, tu vas faire 34. Non, je vais faire. Ça touche pas. Non, ça la touche pas. Bah je relance. T'as mis ton plus 2 ou pas? Oui. Là tu la touches. Attends, j'enlève mon béni. Poutre vu la gueule. Transforme-toi en dragon, je pense, Fizzle. Tout à l'heure. Bah j'aurais pu. Utilise ton béni pour récupérer tes pépés. Ouais. Ça a fait quelque chose ou pas? Ah pardon, j'ai pas vu les dégâts. Non. Comment ça, non? Bah non, ça fait rien. Est-ce que je reroll damage? Oui. Mais attends, t'as pas des bonus parce qu'il y a 3 personnes dessus déjà? Mais pas pour les dégâts. Touché. Ah oui, pardon. Ah bah, je les ai même pas mis pour les toucher. Oui, pardon. Donc dans ce cas-là, le béni que tu utilises pour le relance dégâts, voilà. Quoi, voilà? Voilà, on dit qu'on fait comme ça. Quoi? En fait, le bunny que t'as balancé pour la relance, en fait, tu pouvais la récupérer et comme tu relances des gars, bah, tu n'as pas besoin de mettre le deuxième bunny. Ok, ben je relance lequel damage, le 1 ou le 2? Tu relances le damage, c'est tout. Le deuxième. Avec bonus ou pas? Non, pas de bonus aux dégâts. J'ai pas des bonus, moi, avec tout ce bordel. Ah, mais attends. Mais tu peux récupérer ton béni, du coup. Bah non, je récupère pas mon béni si je relance les damage. Il m'en reste qu'un. Non, mais c'est juste que tu avais relancé les dégâts, le toucher. Oui. En gros, elle relance pas le toucher, mais elle relance les dégâts. Tu avais relancé le toucher pour essayer de toucher la licorne. Oui. Et bah tu n'as pas besoin de relancer pour le toucher. Oui, j'ai compris, mais je laisse quand même mon béni puisque je relance les dégâts. Oh. Je croyais que tu en avais mis un autre en fait. Par contre, là c'est écrit que je suis censé avoir un bonus de dégâts de D8. C'est quoi ça? Il est où?
Bah oui, maître d'armes, il sert à quoi mon... Quand tu touches en... Ça, c'est quand tu touches en prouesse. Ouais, mais... Ouais. Quand tu touches en prouesse, au lieu de faire le D6 en bonus damage, c'est le D8. On l'a pas pris en compte, ça. Putain, mais c'est encore plus nul. De toute façon, là, tu touches pas en prouesse. Oui, non, mais de toute façon, c'est de la merde. Rie ! Remboursé ! Des jokers pour tout le monde. Alors, Fizzle, du coup. Ouais, Fizzle bah, va se tenter de se désentraver, de se désimmobiliser. Du coup, athlétisme. Oh, il est beau. Ouais, tu es entravé maintenant. J'ai réussi. Bravo. Est-ce que tu maintiens le sort sur Cherry? Ouais, je vais le maintenir, je vais dépenser un PP pour le maintenir. Un sort, 5 tours en plus pour Cherry. Cool. Je me le note de mon côté. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant la victoire? Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait un éclair d'ombre en fait sur Risky. Risky est au sol. Elle peut pas m'attaquer plutôt ? En fait, ça sert à quoi d'avoir 16 en parade contre une licorne ? À rien, puisque dès qu'elle fait 4, elle touche. Non, parce que quand la licorne est au cac, ça compte sur ta parade et qu'elle essaie de te lancer un sort. Oui. C'est de la merde les licornes, tuez-les toutes. Silver. Bah oui, bien sûr qu'il va au cac, Silver. C'est la seule chose qui s'est passée. Laissez-les-moi. Blam. Eh ben... Frénésie. A plus 3 pour chaque coup en plus. Ouais. Non. Bah si. Plus 3, plus 4, donc plus 7. Mais... Plus 3 avec nous qui la touchons. Oui, c'est ça. Ok. Plus 2 pour l'attaque totale. Et plus 1 pour le fauchon. Et plus 2 pour le fauchon. Ah, plus 2, donc plus 7. C'est une arme fétiche adorée. T'as un bras en moins, il me semble. Ah putain. Moins 4. Donc plus 3. Salaud. Putain de merde. T'as quand même des bonus, merde. Tiens, j'ai. Bah vas-y, fais les autres rôles. Oui, bah tu permets. Je le reste du sel. Raté. Celui-là, il était nul. Allez, Silver. Ah. Et raté. À 8, ça passe. Bah, si mon 11 a rien fait, tu te doutes bien que son 6 et son 8. Bah oui. Et non, là c'est pas un 8. Parce qu'on prend pas en compte. Oui, bon, bah le 6. Et... Voilà. Donc, en tous les cas, c'est moins. Bah ok, j'ai combien en modificateur de dégâts? Bah que plus 2. Oui, bah, j'ai vérifié. Salope. Crève. Pas mal. Bien secoué. C'est putain de tout. Kin. Pourquoi elle a l'œil du maudit là? Parce qu'elle est aveuglée. Ah oui, elle a aveuglé. Vu qu'elle est un peu grande, est-ce que Ah bah oui, elle a aveuglé. Pardon. Elle a pas pu tirer sur l'autre. Elle va mieux. En fait, je vais mieux. C'était un prank. Pardon. T'étais dans un truc. Non, mais en fait, tu pouvais pas. T'étais aveugle. Ah oui, c'est vrai. Pardon. On est dans un GN. Et est-ce que je sais tirer
sans toucher des gens ou faut que je vole? Tu pourras, il me semble qu'il y a des alliés au cac d'ennemis que tu vises. De toute façon, même si je vole, il y a des gens qui sont dans le chemin. Donc je vais rester sur place pour avoir le tireur d'élite et avoir quand même... Ouais. Ça vaut mieux. Donc je vais tirer sur elle en visant la tête. Je te mets moins... J'allais te mettre moins 2 du coup parce qu'il y a quand même du monde. J'avais le plus 2 du tireur d'élite et là je vise la tête. Donc t'auras moins 4. Ah mais attends. L'âme des dés. Putain, en fait j'oublie tous mes atouts moi. Touche. Plus 4 pour la tête, non? Plus 4, ouais. Je rerolle les dégâts. Elle avait fait combien, Ruru, pour nous entraver, la grognasse? Beaucoup. D'accord. Elle avait fait plus que 12, il me semble. Ouais, ok, bon. Je rerolle encore une fois. Non, allez. Je vais croire que je vais avoir un tour. Alors, distribution. Bah, t'as bien fait d'y croire. Fizzle. Ouais, je vais prendre le premier. Le roi, bah écoute. J'ai reload donc je vois pas les cartes. Tu es deuxième, t'as une reine. Ah oui, c'est tant mieux. Bah, je vais finir du. Avant la licorne. Je veux tous avant la licombre. Ouais. Ben, je vais me désentraver. Est-ce que je tente autre chose? Non, sinon ça fera avec un moins 4. Je vais éviter. Donc j'ai tenté juste de me désentraver. Non. Bah tu t'immobilises. Non, mais sérieusement. Kin. La merde, quand même. Je suis con. Pourquoi? J'aurais pu dispel le sort. Ah oui. À moins 4. Oui. Enfin, moins 4, moins 6, du coup, puisque distrait. Enfin, bref, Kin. Ben, je vais faire la même chose que j'ai fait le tour d'avant. Utiliser le pouvoir du Believe. Je demande à tout le monde de lever les mains au ciel. Je le fais. Je le fais. Menteur, toi tu ne le fais pas. Si Ruril est en train de le faire, je le vois. Moi ah. Je le fais. Comme j'ai reload la page, il faut que la fiche. Sauf que moi je donne les arges pour un fumble. Mais quel bâtard. Je te pisse dessus. Vas-y. Regarde, va le mordre. Moins 4. Miaule-lui dans les oreilles. Oh nice. Yes. Je vais lui péter à la gueule. Shot. Mon chat ne pète pas. Il pète pas? Merde alors. 30 dégâts. Celui de mes parents le fait. 30 dégâts dans la tête. 30 dégâts, je retire sa résistance. Je fais 3 plus. Easy. Bon, alors du coup. Je peux jouer avant, s'il te plaît. Bon, vas-y, va jouer avant. Oui. Et je les prépare juste à un peloton d'exécution en mode licorne. S'ils peuvent se réparer, surtout. S'ils peuvent soigner les gens, peut-être. Ouais. Ah oui. Bah, il y en a qui se mettront là pour ça. Bah, tiens, tu sais quoi, juste. T'as ta blessure de soigner. D'accord. Alors. Donc, je vais faire double attaque. Sauvage sur la grognasse, j'ai combien du coup? Double attaque totale, donc plus 2 plus 3 plus 5. Attends, plus 2 puisque c'est mon arme fétiche, plus 2 en sauvage donc plus 4 et plus 3 plus 7, s'il te plaît. Voilà, plus 7. Tout ça pour ça. Bah, ça touche. Et en dégâts, j'ai combien? Plus 2 Plus 2. Tu peux faire le deuxième lancer aussi tant qu'à faire. Ah oui, pardon. Je fais déjà le deuxième lancer ou... On fait le deuxième lancer, ouais, okay. Même si... Merde. On veut aussi les dégâts, c'est très bien. Alors, Mais non, mais j'ai mis plus 7 là, du coup je me suis trompé. Ah. Oui. Ok.
Bon alors, du coup. Premier damage, c'est nul. Et deuxième. Le deuxième, tu lanceras un D8 pour remplacer le bonus damage. Comment je fais? Tu lances tes dommages normales et puis après tu fais un slasher un D8 qui double les points d'exclamation. Ok. Double point d'exclamation. 30 du coup. En l'espace de un tour, et c'est pris 62 dégâts. En même temps, du coup, les autres licornes ont profité pour soigner vos blessures à vous. Et il se fait tard, j'ai pas envie de faire la suite. Je vais juste le faire en cinématique et je pense que je le ferai en mode rencontre rapide. Donc je vous ferai un. Juste. Ouais, mais ça risque d'être long. Si, non. Bah, on fait une troisième session. Oh non. Non, la flemme. Je vais juste vous présenter. Le méchant. Et c'est là, c'est le mec qui dirigeait les rebelles à Kera. Le bibliothécaire. Non, le mec qui dirigeait les rebelles à Kera. Je vous présente. Blackness. Nul. Il a été présenté une fois durant Stories, mais en tant que juste légende. Qu'est-ce que c'est que ce vieux truc de Kiku? C'est Darky Cooks. C'est la première alicorne qui a été bannie et qui a découvert la forme dark des alicornes. Je sais bien que tu as essayé de le dire le plus sérieusement possible. Et accompagner son dragon brun. Normal. Mais entendre. Ça va, nous aussi on a un dragon. Hein. Ils ont entendu la forme dark. Par contre, moi, en fait, mort en fait. Moi. Quoi? J'ai un dragon, nous on a un silver. Bah, on a un dragon aussi, on a Fizzle. Du coup, si on avait fait un vrai truc de combat, je pense que je suis mort parce que je suis juste à côté de la licorne et du dragon. Non, mais en soi, on serait tous morts, attends. Je pense pas qu'on aurait survécu. Je vais faire un truc vraiment très sympathique parce que. Il reste plein de monde, on a plein de. Oui, en soi, je pensais qu'il y allait avoir vachement plus de morts et je me suis dit que. Ouais, bah, c'est bon, hein, c'est bon. Oui, mais justement, de ce fait, il est pas mort, il est juste sonné. Qui? Bah, exotique. Mais quoi? Pourquoi? Parce que je me suis dit que vous êtes tellement bien débrouillé que. Mais il a un trou dans le bide, t'as dit! En gros, il ne fera plus partie de la garde d'élite parce que ses blessures sont trop importantes, mais il vivra toujours. Mm-hmm. Je l'achève, ainsi je garde ma cousine. C'est ça le secret sombre. Elles sont incestueuses en fait. Non, du coup, Je vous passe le combat épique. Faites juste un jet de combat chacun. Tu dis ça, mais là. Il y a des. Est-ce que je peux faire le jet de combat avec ma forme dragon? Vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'on peut voir ta forme dragon? Bien sûr. Oui. Je le fais avec l'erreur d'élite. Jet de combat normal ou avec les armes? On a aucun bonus du coup, c'est triste. Ah, elle est trop belle! Vous faites juste du normal. Ah, elle est trop belle! Regarde, j'ai envie de lui gratouiller le museau! Mais oui! Attends, je te montre ce qu'on a. Juste combat normal, c'est nul! J'ai oublié le. Pas de bonus, pas de malus. Okay. Je me suis trompé, j'ai lancé. Moi j'ai fait 16. Je peux relancer mon. C'est ridicule! Mon truc, vu qu'il me reste un béni. Tu peux, mais en soi ça suffit. Hein, oui, mais j'ai quand même envie. Vas-y, j'utilise toutes mes relances. Ouais, bah bon, ça. Ouais, j'ai freiné si je suis prêt, mais je vais l'attaquer avec. Donc. Elle est super belle. Je vais vous faire une description quand même, le temps que vous faites n'importe quoi avec vos jets. Tandis que Fizzle forme dragon fait un combat épique, seul à seul avec la forme ombre du dragon. Toute l'équipe, tous ceux qui sont encore aptes au combat, donc la licorne, le mitraille, la licorne de
d'éclairs de tout genre. Il esquive la plupart, mais s'en prend quand même quelques-uns. Gossip arrive à lui endommager au niveau de l'aile, qui lui fait arrêter de voler. Mais sa magie est suffisamment puissante, il entrave pas mal de vos alliés. Et c'est qui a fait le plus gros jet, tiens? Attends, je relance. C'est Kin. Ouais, mais moi je suis à distance avec des flèches, je pense que c'est quelqu'un au cas. Voilà. Qui au cas qui a fait le. Bah, moi je crois, non, attends, Silver a fait combien? Non, moi j'ai fait 5. Moi j'ai fait 7. J'ai fait 7. Vous savez quoi? Silver, d'un coup de marteau avec son. Ah non, son bras il va mieux. Lui déchiquetera son armure. Ouais. Avec son fauchon, il lui coupera la corne. Et une aile. Salope! Et d'un coup simultané, Cherry et Silver, vous l'achèverez d'un coup d'épée, tous les deux, dans le cœur. Mais il a pas trois bras non plus, Silver. Hein. J'ai pas trois bras. Non, hein, non mais il a frénésie. Oui, mais bon. Non, mais c'est en tout, dans le tout combat. Il a pas, c'est pas en une seule action. Mm-hmm. Moi, j'ai en tête. Le truc du bonk, le même avec le chien, tu sais, il arrive et ah, je suis trop tard, et puis pouc, le bonk sur sa tronche. Avant que vous veuillez. Ou alors vous pouvez très bien me décrire comment vous voulez l'achever. Ah ben, moi déjà, le truc que je vais faire, c'est Silver va arriver, toujours avec le fauchon. Il va le tacler pour le forcer à rester à terre. Et après, il va se relever et essayer de le frapper pour. De le frapper en étant complètement enragé et en gueulant comme une espèce de gros taré. Non mais laissez-en aux autres. Sachant que je vous décris le fait qu'il est maravé, mais il se défend super bien quand même. Bah évidemment. Ouais. Est-ce que pour le LOL, j'aimerais bien que s'il te plaît, que tu te montres ça aurait été quoi le turn order du tour 1. Genre, parce que imaginez la chance de notre côté, il joue en dernier son dragon aussi, on fait tous des jets de fou et genre et on le one shot. Regarde, juste avant que Jean Kikou arrive, on n'a pas eu le temps de réanimer cela. Ça se serait fait en même temps que son apparition. Ok. Il y a vraiment BG de voir. Ouais. Je l'ai mis dans Story si vous voulez le voir en entier. Ouais. En fait, si le combat aurait duré longtemps, je pense que ce qui serait réellement passé, c'est que moi j'aurais couru après des flèches. Il m'en restait plus que 7. Si jamais on avait véritablement fait le combat, j'aurais galéré au niveau des PP. Ouais, non, mais on serait mort. Je vous tire juste les. Je vous distribue les cartes. Juste pour voir. C'est juste moi qui voulais voir. Ça aurait été le dragon qui aurait commencé. Oh, j'étais deuxième! Le dragon, il se serait mis là, il aurait fait un balayage de sa queue, plus personne. Enfin, ça aurait été Kino, il y aurait eu le dragon, puis tous les joueurs, puis le boss, puis les PNJ. Le dragon, c'est 24 de vol. Le dragon, ça peut se déplacer 48 mètres en vol. C'est ultra fort. Du coup, on... mais je vais le faire parce que on a fini le combat. Une allure. On gagne un avancement. Gagner le jeu. La meuf qui a rien compris. Ouais, mais on gagne un avancement ou pas? Techniquement, il y aurait eu qu'un seul mort, mais GG. Après, il y en aura peut-être eu plus si le combat avait duré. Oui, ouais. Oui, je pense bien. Je tiens à préciser un truc, par contre, c'est pas Silver qui aura tué le Jean Kikou, il sera trop occupé à frapper n'importe comment sur le type. Ce sera plutôt Thierry Delight qui... Coupez-lui la tête! Voilà. C'est ça. Je pense que quand Silver l'aura bien amoché, elle lui aura juste coupé la tête. Ou non, le beau geste, tu sais, passer l'épée sous la gorge, là, à travers la tête. Ah oui. Mais moi, je pense que j'aurais... Oh, la gueule de Jean Kikou. Mais je pense qu'en fait, ce que j'aurais fait, c'est sûrement aider Fizzle en tirant mes flèches, genre dans les yeux ou des trucs du dragon. Et je sais plus si je l'ai dit, mais il est doué de parole, lui, par contre. Blackness. Mais est-ce qu'on s'en serait pas foutu? Il aura très certainement fait un discours de méchant. Le monologue du méchant. Bah, je l'aurais attaqué pendant. L'humanité. L'attaque surprise. C'est pendant qu'il attaquait.
Gatorade, c'est vraiment l'humanité est un cancer et je suis le remède. Heureusement pour l'humanité. Il y a mais c'est quoi l'humanité pour nous. Heureusement pour nous, il n'y a pas de remède, c'est un cancer. J'ai une question, parce que réellement, il me fait penser à la licorne dans Stories, quand le bibliothécaire nous avait envoyé dans un des livres. Mais c'est lui. Qui ressemble. Qui avait fait la rébellion. Il ressemble en fait. C'est pour ça que je pose la question. Non, c'était pas lui. Je me souviens pas. Dans un dossier. Je sais plus. Bon, il n'y a pas d'autres sources du mal là. Non. Ah bon, il y a pas un artefact de merde à détruire, une faille à boucher ou je sais pas. Il n'y a plus rien. Une et platinum qui revient des morts. Mais chut. Et Black Bloom dira ne plus entendre de voix dans sa tête et que ça lui fait du bien parce que c'est la première fois en 1166 années. Et comme elle est aussi constituée d'ombre, elle se désagrège et meurt. Non, mais c'est dans cette... non, elle reste en vie. En mode endgame, tu sais. En mode, non, monsieur Stark, je me sens bien, pas très bien. Ah disparaît, pardon. Moi, j'aurais demandé à redescendre quand même pour remplir la carte parce que je suis curieux. Non, Ah ben... Ça y est, on a battu le boss. Est-ce que je peux aller remplir ma carte maintenant? Le mec avec des OCD, tu sais. Et toc. Bah moi, j'attends un bébé de Savannah. Voilà. Oui. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. On avait décidé de ça? Non. Ah, c'est bien ce qu'il me semble. J'ai pas besoin de toi pour décider. Qui ne le fait un hug à Marylis parce que je pense que tu devais faire référence à lui. Ah, il est beau. Oh, lui aussi, il a un air de Jean qui court. Non, mais quand vous avez joué les alicornes, Blackness avait déjà été banni. D'accord, non, mais parce que oui, il y ressemble un peu en fait. Il ressemble un peu à lui, mais version Kikou. Qu'est-ce que c'était drôle quand on a joué les alicornes. Ah, oui, ça t'a très drôle. Oh là là. J'aurais limite voulu en Stormant docteur, c'était. On a attaché le mec dans la chambre. Parce que le mec, il était un peu chaud. Enfin bref, on va conclure grosso merdo. Vous avez accompli avec merveille votre mission. Il y aura toujours des ombres sur le continent. Mais beaucoup moins fortes. Pour l'instant, elles sont toujours aussi fortes, mais elles ne gagneront plus en puissance. Ouais, puis il n'y en aura pas d'autres qui vont repop, surtout. Ouais. Ça dépend. Il y a toujours une sorte de... Vous savez très bien que dans les histoires, par exemple, certaines personnes infectées grandement par les ombres peuvent en créer. Il y a toujours une possibilité que des ombres soient créées, mais ça sera beaucoup plus infime qu'avant. Quoi qu'il en soit, vous allez rejoindre le bateau et retourner en Équestria. Très rapidement, il y aura le deuil du bibliothécaire. Ouais. Et assez rapidement encore, l'arrivée au pouvoir des princesses Alicorne, huées par le peuple. Ah bah, elles n'ont pas perdu de temps, les greluches. Hein. Elles seront huées par le peuple, évidemment. Mais essaieront... De faire évoluer les choses lentement. Donc elles garderont le système, un minimum du système en tout cas du bibliothécaire, mais autorisera progressivement la rencontre avec toutes les races. Le fait que toutes les races veuillent vivre... En fait, elles vont l'autoriser, que toutes les races, enfin supprimer les zones, mais le peuple ne se séparera pas forcément. Il y aura toujours les zones, mais ça sera officieusement. Il y aura quand même quelques personnes qui ont réussi à trouver l'amour, par exemple une fois avec le facteur Pégase qui était chez les terrestres, parce que c'est les Pégases qui géraient le courrier souvent. Ça arrivait que d'autres espèces fassent le courrier dans d'autres régions. Est-ce que ce serait pas possible qu'il y ait genre une région qui soit propice à accueillir toutes les races qui veulent justement vivre... Ça se fera petit à petit, mais oui, il y aura ça. Parce qu'à la limite, peut-être qu'avec beaucoup de... Enfin, dans quelques temps, je pourrais y aller avec Savannah.
cet endroit, c'est Enoria. Non. Abandonne ta cousine. Bah non, je t'emmène. Tu m'emmènes, what? Bah oui, faudrait bien que tu t'occupes de ta nièce. C'est pas vrai, t'es pas enceinte, tu me charries. Si. Malaise. Donc il y aura une zone qui sera attribuée, je sais pas encore où. Le désert. La cité d'El Sol. En vrai ça pourrait, mais... La zone... En vrai... Oui, cette zone-là. Comme ça. Mais moi, je vois pas la carte. Ah si, c'est bon. Genre, tu fais une zone, quelque chose qui inclut une partie... Ah oui, comme ça, il y a un peu de tout. Tu inclus une partie de la zone Pégase, une partie de la zone Griffon. Au centre. Comme ça, là. Tu vois, avec... ça peut inclure Canterlord, par exemple, mais... Tu inclus une partie, et puis en fait, cette zone-là, c'est... On a compris. Voilà. Donc, ça mettra du temps avant de bien... de bien s'instaurer, de finalement progressivement, ça prendra des années à ce que les princesses soient à peu près acceptées dans le peuple, et le monde vivra en paix, mais totale. Il n'y aura plus d'histoire de rébellion avec les Bad Pony, qui commenceront même à revenir progressivement dans le peuple, et vous vivrez heureux jusqu'à la fin de vos jours, et en paix. Jusqu'au prochain. C'est ça. Bah, je crois pas qu'il y aura de prochaine campagne. Jusqu'à Rex. Pardon. Ah non. Ah bah, en soi, le reste des histoires, ça sera des... Enfin, la suite de ce qui se passera, ça sera des trucs que j'ai déjà joué et rejoué, donc je pense pas les refaire jouer, et je vais me concentrer sur mon autre univers. La suite en BD. Un Golden. Allô. Et moi. Golden et Loupi. Ouais, je préfère, ouais. Après... Acheter, voilà. Allez, j'arrête là l'enregistrement.